streaming est lancé. Ok, je dis pas de bêtises alors. Yo maestro, comment ça va? À nouveau, troisième semaine de suite sans Waytech en premier. Si quelqu'un a des nouvelles, on veut bien. Salut Istrid Greg, salut Saruman, salut Cachalot, le Cachalot. Bonsoir le petit Chelem. Sieur Mamou, comme c'est. Quelle tonalité médiévale. Salut Baba Boykins. Hello Cory Home. J'espère que vous allez tous bien. Est-ce que vous êtes sous la neige aussi? Salut à tous, est-ce qu'on entend Shai? Vous m'entendez bien? Shai Iron Man, non mais. C'est gentil, mais on va pas se comparer, on va pas commencer à se comparer à des super-héros quand même. Salut Sancho, salut Élise Lucet, Sampitournel. Juste moins 2 Corium, ouais. Non, mais ici, il a arrêté de neiger à Paris aussi, mais. Il fait quand même bien froid. Salut Trex du 95. Salut Alexis en stream. Trop content de te voir l'homme en noir, ouais. Oui, c'est vrai que vous me voyez souvent en noir, c'est vrai que c'est pas très coloré. Un jour, je mettrai des trucs un peu plus flashy quand même, histoire de dégayer nos late sessions. Salut Raph, mais c'est déjà très sympa de passer. Bon courage pour le boulot. Ouais, Kiki, je sais, on m'entend mieux que dans le podcast, mais en fait, sachez que dès que c'est pas Théo qui produit, entre guillemets, hein, on parle pas d'une production de à gros budget, mais dès que c'est pas lui qui host le truc, on a des problèmes techniques avec Antoine, et c'est. Donc ça arrive rarement, parce que Théo est quand même souvent présent quand on enregistre, mais quand c'est moi, il y a souvent des problèmes de micro que j'arrive pas à régler. Voilà, mes compétences sont assez limitées dans le domaine, donc on espère que on réussira à régler ça. Ouais, on entend mieux à certains moments du CQFR, ouais, c'est ce que je disais à Alexis justement. Bonsoir Father Will. Et Zusek qui me dit c'est la merde, la neige ici, la DDE n'a rien prévu, c'était annoncé depuis des lustres. J'ai envie de te dire que c'est un peu la France. Pour avoir vécu dans un pays étranger où il faisait froid, hein, aux États-Unis en l'occurrence, même à moins 18, ils sont. Il y a un coup de pelle et puis ça, la vie continue. Hein. L'homme de fer, salut Yawata. D'ailleurs, Jace, si tu peux refaire ton laïus final, je suis preneur, ça avait l'air intéressant. Je ne sais absolument plus ce que j'ai dit, en l'occurrence. Mais oui, si tu me le rappelles, peut-être que je pourrais développer. Salut Elias Licha. Salut Shai Laters, première fois sur la Session, salut à toi, Derrick à fond. J'aimerais savoir quelle est la musique d'intro de la late sur YouTube. L'extrait est incroyable. Alors, c'est Théo qui a préparé un extrait, comme d'habitude. Théo, le mélomane, la caution culture musicale de la bande. Donc, je ne sais absolument pas, mais je lui demanderai si tu veux. Je note, je lui demanderai, on le marquera si tu veux. Peut-être dans le replay YouTube, on pourra le mettre. Papa qui nous dit, as-tu vu cette news? Les Spurs iront à Paris pour 2025. Alors, j'ai cru que c'était une intention. C'est pas, je sais, ils en parlaient sur Bein. Je crois que c'est Florent Ouzo, le patron des. De Bean qui en parlait, mais je sais pas si c'est faisable. Je suis assez surpris parce que je sais que généralement l'Ouest, c'est pas des équipes de l'Ouest qui viennent, mais bon, avec Victor Wembanyama, forcément, ce serait super. C'est pas pour. Je vais pas faire le blasé, mais c'est sûr qu'une affiche Brooklyn-Cleveland avec les blessés qu'il y a, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant demain, après-demain, pardon. Donc ouais, les Spurs, serait cool quand même. Tex, pas de remontada pour Memphis malheureusement. Oui, bah oui, c'est un sujet dont on peut parler évidemment. Jamorant blessé à l'épaule, opéré déchirure au labrum. Donc il peut pas lever les bras. Donc autant se passer sur le billard. C'est ouais. Effectivement ma remontada, mon pronostic de remontada est morné. Mais bon, c'est pas grave. Memphis va tanker gentiment et puis va récupérer un bon tour de un bon pic, un lottery pick et puis. Et puis l'utiliser pour faire venir un All-Star ou un joueur solide ou plusieurs joueurs solides, qui sait.
Le laïus sur Draymond Green, oui, bon, enfin, je me moquais gentiment. C'est-à-dire qu'à la fois, je le trouvais convaincant et éloquent, comme il sait le faire. Hein, si vous l'avez pas vu, c'était le dernier épisode de son podcast, le premier depuis un certain temps, où il expliquait que c'est Adam Silver qui l'avait un peu dissuadé de prendre sa retraite. Parce que lui était arrivé dans la conversation avec lui en disant, mais Adam, c'est pas possible, je vais prendre ma retraite, je supporte plus. Et je disais que je m'étonnais juste que. Enfin, on lui demandait juste d'arrêter de frapper des gens, de taper sur des gens. Et le gars, son premier réflexe, c'était de prendre sa retraite. Donc je sais que le déferlement médiatique peut parfois faire réfléchir. Et forcément, il a pris un peu cher parce que c'était des trucs à répétition. Mais bon, je trouvais ça un petit peu. Par contre, à côté, il avait vraiment l'air d'avoir fait un examen de conscience, de consulter quelqu'un. Bon, voilà, son propos est intéressant, comme toujours, hein, Draymond, quand il fait pas l'idiot sur le terrain, c'est toujours très très intéressant. Moi, enfin, ça n'a rien à voir avec la situation actuelle, mais c'est le joueur que j'avais trouvé le plus touchant et émouvant au moment de la mort de Kobe. J'avais adoré son discours. C'est un mec qui s'est causé. Hein, après, ouais, on va voir s'il a effectivement vraiment travaillé sur lui. Et qu'il est prêt à aider les Warriors à remonter la méchante pente dans laquelle ils sont en ce moment. Par ici, 20 cm de neige, Elias, au Québec. Bah oui, mais tu vois, bah, ils s'arrêtent pas de vivre. Hein, je pense que ça sort la pelle et les machines, et puis vous partez bosser, quoi. Ici, c'est toujours un peu plus compliqué. On oublie de saler, tout est un peu bloqué sur les autoroutes, c'est compliqué. Salut, Ostertag. Alexis, je parlais de Terry Rozier. Oui, bah, je crois que c'est Antoine qui en parlait. Antoine qui... Rozier venait de sortir un gros match contre Chicago et on disait que c'était un des joueurs qui pouvait être intéressant pour des équipes plus ambitieuses que Charlotte à court terme. Et il a de l'expérience des grands rendez-vous quand même. Enfin, il a fait des belles campagnes avec les Celtics. Donc à voir ce que Charlotte va réclamer parce que c'est un joueur qui est productif, mais je pense que ça peut être un joueur intéressant. Ouais. En Lorraine, on a tout l'équipement déjà, la preuve, il est de sortie maintenant, après coup. Il y a quelques années, j'avais entendu parler d'Emoni Bates comme futur numéro 1 de la draft. Pourquoi a-t-il chuté si bas? La différence entre son potentiel et son niveau actuel est assez énorme. Alors lui, c'est les problèmes extra-sportifs. Alors, il y a le profil de joueur qui est quand même un scoreur de volume, mec qui a toujours dominé dans les catégories jeunes, très grand, très long. Et il a quand même eu des gros problèmes extra-sportifs. Il a arrêté plusieurs fois, possession d'armes, j'ai pas tout le truc en tête, mais il a quand même eu quelques galères sérieuses, Emoni Bates. Et il a changé. Il était parti à Michigan, je crois. Si je dis pas de bêtises, je sais plus. Et au final, il n'y était pas resté. Merci Mystics. Salut Flo. Il n'était pas resté et ça avait un peu chamboulé ses plans et sa cote avait énormément baissé. Donc après, son niveau réel, là pour l'instant, c'est celui d'un joueur qui joue en G-League, mais il a montré 2-3 trucs. Il a du potentiel, le garçon, quand même. Pour commencer, un avis sur le prix des places du NBA Paris abusé, même en comparant avec les places aux US. On en a déjà parlé. Oui, évidemment, c'est indécent, surtout quand tu vois les deux dernières affiches, hein, Chicago-Détroit et après-demain Brooklyn-Cleveland. Salut Angie, merci de rejoindre la free agency. Quand tu vois les affiches en question, c'est indécent. Mais tant qu'il y a des gens qui les achètent, tant qu'il y a de la demande, c'est bah, les gens continuent, les organisateurs continuent de mettre ces prix-là. Et puis là, j'ai quand même l'impression, j'ai vu qu'ils avaient remis des places en vente quand même, mais ça reste indécent. Hein. Je sais pas si un jour ça baissera, mais ouais, voilà, il y aura des influenceurs invités, des joueurs du PSG peut-être, ça je sais pas, mais c'est pas une grande fête populaire, c'est clair. C'est un peu dommage. Je sais pas comment remédier à ça du tout, hein, mais malheureusement. Maestro, l'intro de Me, Mike, Xena est un peu violente sur les yeux, par contre, je remonterai à qui de droit. Merci Derrick Affon d'avoir rejoint, d'être monté dans le wagon. Ouais, je relaierai à Pierre Armand et Théo, Maestro. Ouais, si vous n'avez pas vu, c'est un nouveau format où Pierre Armand parle de sneakers là, dans le premier épisode avec Rémi Reverchon, donc c'est sympa. Petit format 7-8 minutes, je crois. N'hésitez pas à aller voir, surtout si vous êtes fan de sneakers, c'est cool. Rémi, toujours adorable, qui s'est prêté au jeu pour le premier épisode. Salut Pigou. Il va falloir parler de votre take sur les Clippers, les gars, Janissaire. C'était quoi notre take? C'est de dire qu'ils étaient bien et qu'ils allaient. Qu'on s'était peut-être un peu. Qu'on avait été peut-être un peu, en tout cas, moi, pour ma part, un peu trop pessimiste et que finalement ça marche bien.
Si tu veux, on en parle, hein, y a pas de problème. Moi, je trouve qu'ils sont mieux que ce à quoi je m'attendais. Ça veut pas dire que. Je l'ai dit aussi que j'avais pas une énorme confiance en eux, par expérience avec Kawhi, Paul George qui se blessent malheureusement souvent au mauvais moment, mais je suis prêt à en parler sans aucun souci. Draymond est un visage de la ligue pour les connaisseurs. Malgré ses dérapages, il fait partie des joueurs qu'on aime voir jouer, même s'ils sont insupportables. Derrick Way. Ouais, insupportable, oui, moi il m'a souvent agacé, mais par contre, le joueur en lui-même, c'est. Défensivement, il est fascinant. À son poste en playmaking, il n'y a quasiment pas mieux. Et puis, il y a ouais, voilà, cette personnalité qui, quand elle est bien contrôlée, c'est un leader. Et s'il n'est pas là, les Warriors, ils font pas le. Alors, oui, Curry est le joueur le plus important de la dynastie, mais sans Draymond Green, il permet aussi à Curry de briller. On dit souvent, est-ce que Draymond Green ailleurs, il aurait brillé? Mais je pense quand même aussi qu'il a facilité le travail pour Curry et Klay pendant cette dynastie. J'essaie de rattraper un peu vos messages, je suis super à la bourre. Je vois que ça parle de Dejounte Murray aux Spurs. J'ai vu la rumeur aussi. Benjamin en parlait tout à l'heure. Ce serait pas mal. Faut voir contre quoi, mais ce serait bien. Un meneur de calibre All-Star pour Victor serait cool. Draymond a fait le fragile. Ouais, il est un peu obligé, hein, que ce soit un rôle de composition ou pas. Je pense qu'il est obligé là. Sinon, c'est qu'il a pas compris ce qui se passait. Les futurs MVP de NBA et de Rivers sont le même prénom. C'est gentil, Loulou, mais. Bah je le souhaite à Shai Gilgeous-Alexander. On n'a pas la même prononciation de prénom, mais je lui souhaite. Hein, je le trouve génial et j'adore le voir jouer le Thunder et le voir jouer lui. Mais j'espère, ouais. Allez, je vais descendre un peu. Désolé si je n'ai pas salué tout le monde. Salut Gis. Est-ce que j'ai mon invite pour le match de pompe à Paris jeudi? Oui, je suis accrédité. Antoine aussi d'ailleurs. Si Antoine n'est pas là, c'est parce qu'il prépare un vol très très matinal depuis Munich. Pour me rejoindre à Paris, je crois que ça fait bien 3 ans qu'on s'est pas vu avec Antoine, ça va faire plaisir de le voir. Ouais, c'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir, il prépare ses valises et il part très très tôt. C'est quoi le programme pour les jours à venir? Est-ce que je vais interviewer des joueurs? Bah, en tout cas, je serai dans le. Demain, il y a donc les entraînements ouverts aux médias. Il y aura des joueurs un peu disponibles. Alors ça va pas être des exclus, comme vous avez peut-être pu en voir sur des plus gros médias. Aujourd'hui, ceux qui sont en partenariat avec des marques, avec tout ça, je pense que vous avez dû en voir un peu à droite à gauche et c'est super cool. Mais oui, on sera normalement aux entraînements. Il y a des cliniques, des petits camps ici et là, donc on sait pas encore quel programme, ce qu'on va faire exactement, mais on sera, ouais, on va avoir des joueurs et n'hésitez pas si vous avez des questions précises à un joueur précis, on peut tenter le coup et après vous relayer ce qu'ils nous auront dit. Et après le jeudi, le match, ouais. Allez, j'essaie de redescendre encore un peu. Salut Théo. oui, Trek, je suis encore tout seul. Antoine, comme je disais, Antoine prépare son vol pour demain. Ouais, vous parlez du prix des places. Oui, bah oui, c'est ce que je dis. En fait, juste pour finir sur le prix des places du Paris Game, limite, je vous conseille plus de programmer, d'acheter des billets pour un match en même temps que vous programmez un match de. Un voyage aux États-Unis, ça coûtera moins cher et c'est au moins vous avez le côté folklore sur place et vous n'avez pas à débourser 300 dollars quoi, 300 euros en train de boire un chai latté. T'as bien de la chance, c'est très bon les lattés. Gis, oui, il y aura Sabrina Ionescu aussi évidemment. Je vais essayer d'aller la voir demain. Demain, elle participe à un clinique. Jamais de la vie, Dejounte Murray revient aux Spurs. Il aime pas, il a pas l'esprit Spurs. Bah oui, il avait un peu daubé sur Parker, je crois, sur le côté mentorship. Il n'avait pas été un bon mentor pour lui. Je sais pas si ça le disqualifie pour un retour aux Spurs. Hein. Mais écoute, je suis pas sûr. Ça reste, c'est un bon, c'est un joueur qui a été All-Star quand même, et c'est forcément une progression. Profite bien du match, Shai. Ben on va essayer, Wu-Tang, hein. J'espère que le match va être un peu divertissant. Comme je disais, je veux pas faire blaser. Hein. Ça reste un match NBA en France, c'est exceptionnel. J'aurais aimé qu'il y ait Evan Mobley et Darius Garland. Ça aurait été un peu plus. Et Ben Simmons qui a fait le voyage, mais qui va sans doute pas jouer. Enfin, qui va pas jouer d'ailleurs. Mais ouais, on espère que ça va être sympa quand même. Il prépare son vol, c'est lui qui pilote. Non, fort heureusement pour tous les passagers. Loulou qui me demande, lors de vos retrouvailles avec Antoine, est-ce que vous allez vous serrer la main, vous prendre dans les bras, vous faire la bise, vous rouler la pelle? Non, je pense qu'on se fera un hug, un petit check et un hug. On n'ira pas jusqu'à l'embrassade en public quand même. Antoine se prépare à prendre le Boeing 737 Max pour ressortir les nécros. Vous remarquerez que quand il est plus là, je mets plus de photos qui laissent penser à un hommage funèbre, un éloge funèbre. Les Italiens se sont pas mal lâchés sur Tipeee aussi. Ouais, bah ouais, j'ai vu de loin les trucs, l'épisode avec Pozzecco là. Pff,
Mais bon, l'Asvel commence à changer un peu de coach tout le temps même. Bon là ils ont gagné ce soir je crois, j'ai pas regardé le match mais j'ai vu le résultat. Mais ouais, par cœur avec les épisodes avec les coachs, c'est pas fou tout ça. Je connais pas assez j'ai pas assez suivi leur saison récente et tout ça pour me permettre de juger de la pertinence des choix de coach. Pozzecco, ça me semble être un bon coach quand même. Donc à voir. Après, il se dit que Vincent Collet va prendre la suite après les JO. Au moins, ça reste, c'est une garantie un peu solide. On attend le CQFR en direct de Paris avec toi, Antoine. Je crois pas qu'il y aura de CQFR en direct parce qu'on n'est pas au même endroit. Je pense qu'il sera chez sa famille le jeudi matin. Après, peut-être, hein, on peut en discuter, mais ça va lui faire un bout de chemin quand même. Ouais, il avait craché un peu sur tout le monde. Rocco Murray, ouais. Je sais pas si c'était craché vraiment sur tout le monde, mais il s'était senti un peu lésé. Il avait pas aimé avec Parker, tout ça. Bon, on a déjà vu, franchement, on a vu des réunions plus improbables. Hein. Prosecco est retourné à la cave technique. Ouais, juste ceux qui aiment le vin, ils comprennent, Ostertag, t'inquiète. Merci d'avoir mis l'accent sur McConnell ce matin lors du CQFR, joueur tellement fiable. C'est un joueur que j'aimais beaucoup à la fac déjà. Et je suis très content qu'il ait trouvé un rôle. Et il va forcément être important là. Parce qu'avec la blessure d'Haliburton qui est. Alors a priori, je pense que vous avez vu, il sera réévalué dans 15 jours. C'est une sorte d'élongation aux ischios. C'est moins grave que ce qui semblait, en tout cas sur les premières images. Moi, je l'ai juste vu être escorté, porté par les deux coéquipiers. Je me suis dit que c'était les croisés, comme je vous disais ce matin dans le CQFR. Je trouvais que les réactions avaient été un peu amplifiées. Non, c'est bien que ce soit pas trop long parce que les Pacers sont quand même cool à voir jouer et je pense qu'ils vont aller en playoff. Donc, au moins au play-in. Murray, je suis sûr que la réconciliation avec les Spurs sera facile. Alexis, tu penses? Ouais, bah oui, bah dans le jeu, je veux dire, c'est forcément un upgrade par rapport à ce qu'ils ont, et puis il va retrouver un rôle où il ne se marchera pas dessus avec Trae Young, même si parfois ça a fonctionné, il connaîtra la maison et ça va les faire progresser. C'est un joueur qui est pas vieux en plus, il doit avoir quoi, 26 ans, 27 max, Dijonte. Donc au niveau de la timeline, pour progresser dès la saison prochaine, je pense que c'est bien. Aux réactions, j'ai cru qu'il avait pris un coup de chevrotine. Mais c'est ça, mais après, c'est parce que j'avais pas vu le match en direct, je pense. J'ai pas vu le. Si j'avais juste vu le grand écart, tu vois qu'il se tient pas le genou comme un mec qui s'est fait les croisés. Mais par contre, quand tu le vois se faire escorter, tu penses vraiment que c'est grave, il a la serviette sur la tête, les mecs, les gars sur le banc qui se tiennent le front comme ça, voilà. McConnell, c'est le gars qui trouve un rôle partout où il passe, ouais. Excellent joueur. Excellent joueur, c'est très bien qu'Indiana puisse compter sur lui. Les Sixers auraient dû le garder, oui, probablement aussi. Enfin, n'importe quelle bonne équipe aimerait pouvoir compter sur un backup comme ça, je pense. Que faire de Jordan Poole? C'est dur. De plus en plus, son contrat, là, wow, il va piquer et je ne sais pas s'ils vont le garder. Hein. C'est avec son plus-minus qui est le pire de la ligue. Il marque moins de points, je crois que c'est Antoine qui m'a dit ça l'autre jour. Il marque moins de points en moyenne qu'aux Warriors, alors qu'on s'attendait à une saison même cata des Warriors, mais individuellement hyper productif pour lui. C'est un peu la cata. Oui, une déchirure aux ischios, ça fait mal, j'y sais. Évidemment, ça fait très mal. C'est juste que tu avais l'impression sur le coup que ça avait l'air beaucoup plus grave que ça. Même s'il manque un mois, c'est un moindre mal. C'est aussi parce que c'est le même soir que l'annonce de Ja, ouais. Bah, t'as raison, c'est peut-être ça aussi, l'enchaînement. Et les gens se sont dit, on perd deux meneurs importants de la ligue en même temps. Shai, quelqu'un a mentionné Tyus Jones au Heat, potentiellement un avis. Vous connaissez mon amour pour Tyus Jones. Salut nos pestos et merci de monter dans le wagon toi aussi. Vous connaissez mon amour pour Tyus Jones, j'ai envie qu'il libéré, sortez-le de là, mettez-le n'importe où et le Heat, ce serait très bien. N'importe quelle équipe où ça joue et où il aura un rôle un peu. Bah, un rôle important, en soi il joue à Washington, hein, mais où il peut vraiment aider une équipe, je pense que c'est. J'aimerais vraiment le voir. Ouais, le Miami, c'est bien. Mais il n'y a pas que Miami, je pense qu'il y a d'autres destinations. Hein. Après, ils vont peut-être demander des choses quand même, les Wizards. Il faut qu'une équipe soit prête à les donner. Entre les blessures, les fins de contrat et la densité du Wild West, les Grizz ont intérêt à gérer l'intersaison. Peut-être un tournant, je suis d'accord avec toi. Moi, je ne les vois pas genre se réjouir d'avoir un lottery pick juste parce qu'ils ont ciblé un joueur. Il y aura peut-être des bons joueurs. On n'est pas encore assez allé à fond dans la prochaine QV, mais. Moi, je les vois plus utiliser les pics et faire un montage avec peut-être en plus avec un package avec un joueur qu'ils ont déjà et essayer de récupérer un joueur expérimenté en plus
pour tout de suite être à nouveau ambitieux la saison prochaine. Ils ont quand même le noyau qu'il faut. Je veux dire, Ja Morant, Jackson, Bane, bon, voilà, quand même. Tyus Jones me fait penser à un elfe dans Morrowind. Je vois pas là, mais les elfes des bois. Les Clippers, c'est bon, c'est fort, mais en playoff, c'est un autre sport que ouais, j'ai confiance en lui, mais les deux autres, avec leur passif, ne me donnent vraiment pas confiance. Je parle pas de confiance, être en bonne santé, mais sur leur niveau de jeu en playoff. Moi, le niveau de jeu en playoff, j'ai confiance en eux. Hein, enfin, j'ai confiance en Kawhi, j'ai confiance même en Paul George, quelque part, hein, je pense. C'est plus la santé. Ils n'arrivent pas à être en bonne santé en même temps. Pour moi, s'ils sont tous là, en forme au bon moment, ils peuvent aller loin. Je ne sais pas s'ils gagneront, mais je pense pas quand même. C'est juste ça pour moi. Hein. Sinon, c'est quand même des forts joueurs. Oui, j'ai vu des questions sur les rookies entre celui qui me déçoit et et le style. Alors, on va profiter de parler de Toumani Camara. On a des copains belges dans le chat. Je pense que Phoenix regrette de ne pas l'avoir regardé. Parce que. Enfin, de pas. Il a été inclus dans la transaction pour Bill, hein, mais il est extrêmement prêt pour la NBA. Alors, il n'a pas de shoot pour l'instant. Le pourcentage est faible, mais au niveau de la défense, de tout ce qu'il donne sur le terrain, il est extrêmement précieux. Et c'est un style, ouais. C'est un style. Les joueurs qui m'ont le plus déçu, qui me déçoivent le plus. Je vais regarder la draft pour oublier personne. J'ai toujours pas d'accroche particulière avec Brandon Miller, mais je dirais pas qu'il m'a déçu, parce qu'il fait quand même des bons matchs ici et là. C'est plus sur le long terme que je suis pas emballé. Alors attendez, je vais me remettre la draft pour pas vous dire de bêtises. Bon, Wembanyama déçoit pas. Bon, Scoot Henderson, je dirais pas qu'il me déçoit. Enfin, j'espérais peut-être un peu plus, mais la blessure du début de saison. Voilà. Amen Thompson, c'est pareil, il a été blessé. Je pensais quand même qu'il jouerait plus. Surtout quand tu vois son frère bon, qui a perdu en temps de jeu, mais qui. Ah, donc, c'est pas une déception, c'est pas tellement de sa faute. J'aimerais voir plus jouer Taylor Hendricks, que j'aimais beaucoup avant la draft, mais c'est pas de son fait. Donc, après, un mec qui déçoit, Grady Dick peut-être. Mais pareil, il joue pas beaucoup. Donc, non, après, c'est des joueurs pris très loin. Donc, Jet Howard joue peu aussi. C'est pas des déceptions pour moi, c'est des déceptions pour eux parce qu'ils ont pas pu montrer ce qu'ils valaient, quoi. Shai, tu peux mettre la main sur mon épaule et me dire que ça va aller pour les Warriors. Coup de soube. J'aimerais pouvoir faire ça, mais je suis un peu. Malheureusement, j'ai rejoint le camp des pessimistes et j'ai un peu l'impression que le retour de Draymond, c'est un des derniers leviers avec un éventuel trade, mais là qui me chagrinerait parce que ça impliquerait probablement de se séparer d'un joueur qui a participé au dernier titre, voire plus. Non, je peux te mettre la main sur l'épaule et essayer de te rassurer si ça peut te consoler. Et je ne les raye pas de la carte, mais je suis de moins en moins optimiste. Il y a plusieurs trucs, on en parlait encore ce matin avec Antoine. Les leaks avec Kuminga, c'est tout ce qu'il y a eu autour de Draymond, le niveau de jeu. Là, en ce moment, Curry est un petit peu dans le dur. Wiggins qui est complètement aux abonnés absents. Klay qui a eu des bonnes passes, mais qui a du mal aussi à être régulier. Voilà, laissons-leur une dernière chance, Derrick, t'as raison. Il reste une demi-partie de saison. On a vu des équipes complètement changer sur une moitié de saison, donc pourquoi pas. Henderson quand même, ouais. Henderson, c'est un peu décevant pour lui. Oui, CP, ouais, CP3 out aussi, donc 3 semaines, je crois, Corey. Ça fait partie des trucs. Shai, tu penses que si les Spurs arrivent à déverrouiller le mental de Devin Vassell, il pourra devenir un mini Ginobili avec un 3 points? Attention, les comparaisons avec Ginobili, c'est. On parle d'un monstre quand même. Vassell est bien, c'est un bon joueur. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu meilleur cette année. Après, il est peut-être aussi dépendant de l'équipe et des difficultés de l'équipe. Mais oui, ça peut devenir un très très bon joueur. Ça, y a pas de. On l'a vu, hein, même avant que Victor arrive, on a vu que Vassell avait du potentiel. Mais un mini Ginobili avec un 3 points, j'irai pas jusque-là. Il m'en faut beaucoup pour comparer un joueur avec Ginobili en termes de folie et de qualité technique et de flair quand même. Toi qui es fan du Magic, que penses-tu du fait que le numéro 32 du Shaq soit retiré? Bah, enfin! Il a mis la franchise sur la carte, et moi, en mec pas du tout objectif parce que c'était mon joueur préféré, mais Penny Hardaway, j'aimerais bien qu'on lui retire aussi. Salut Joe Cole. J'ai encore pris du retard parce que vous mettez des messages, vous êtes tout à fait sympathique, mais trop rapide pour moi. Auprès de quelle équipe Dwight Howard va tapiner à l'approche de la deadline? Mais Dwight, il a pas signé à genre. C'est pas Porto Rico ou Taïwan ou. Je sais plus, il voulait revenir en Europe, mais je crois qu'il est reparti dans une destination plus exotique, donc c'est mort. Je pense qu'on ne reverra plus Dwight en NBA. Hein. Oui, voilà, mettez du respect sur Ginobili, Alexis, je suis assez d'accord avec toi. Mini, ouais, mini. Très mini, alors. Aaron Erwan, j'ai écouté votre podcast où vous cherchiez un point de chute à Josh Giddey s'il fallait le trade. Que penses-tu d'un trade de Giddey pour Chedi Osman?
Osman pour contribuer en sortie de banc et apporter du spacing en sortie de banc à OKC. Et Giddy serait excellent dans le 5 des Spurs et sous la houlette de Pop. Bah alors, faut vraiment donner beaucoup plus d'autres trucs pour. À OKC, hein, parce que juste Osman. Giddy, il est fort quand même, hein? Ok, on a plus parlé de lui pour l'affaire extra-sportive et sa relation avec une mineure, quoi, supposément, tout ça, mais c'est quand même Osman est un bon joueur de NBA, mais Josh Giddey, il est très jeune, c'est un meneur de grande taille qui est capable de sortir des triples-doubles. Je pense qu'il le trade, et effectivement, c'est peut-être le joueur le plus susceptible d'être utilisé s'ils veulent faire un gros coup. Il faut qu'il y ait plus que Chedi Osman, peut-être beaucoup de picks et d'autres joueurs, je pense. On ne verra plus un joueur comme Manu Ginobili, ouais, je pense. Assez d'accord. Booker a moins de voix All-Star Game que Austin Reeves. Oui, bah, c'est la popularité d'Austin Reeves aux Philippines. Toutes les Philippines ont voté pour Austin Reeves aussi. The Lord of the Strings, excellent pseudo. Que penses-tu de la seconde unique du jazz actuellement, George Clarkson, Abagi, Osha et Abagi, ouais. Olinick, Kessler. Mais c'est le jazz tout court en fait. On peut parler du jazz tout court qu'on avait complètement mis de côté parce qu'on trouvait le roster pas très sexy. On pensait qu'ils allaient peut-être tanker cette année après avoir surpris tout le monde l'année dernière. Et là, ils sont sur une super dynamique. Et forcément, si on trouvait qu'ils n'étaient pas très bons, c'est parce qu'on ne les regardait pas assez, je pense. Parce que là, j'ai commencé à les regarder. Effectivement, c'est très très bon. Keyonte George, c'est cool. Clarkson, fait du Clarkson. Ça peut être aussi un joueur susceptible d'être envoyé dans une équipe une équipe qui joue quelque chose de plus gros. Abadji, Olinick, c'est un joueur fiable aussi, c'est pareil, tu as envie de le voir dans des équipes plus fortes peut-être. Et Kessler Edwards. Kessler Edwards. Kessler l'intérieur, pardon, qui est très bon aussi. Franchement, là, ils sont au bord du play-in, ils sont bien plus intéressants que ce à quoi on s'attendait. Antoine disait ce matin, ils vont finir par virer Will Hardy tellement parce qu'il est trop compétent et il fait gagner trop de matchs. C'est pas loin d'être vrai. Hein. Comme tu participes à très peu de podcasts, pourquoi ne pas faire un hebdo sur la G League? Parce qu'il faudrait suivre vraiment de manière intensive Corium. Ouais, StarTAC, bah c'est ça, c'est ce que je disais, il gagne trop de matchs, Will Hardy. Je repense toujours à cette photo qu'ils avaient prise, ce screenshot en début de saison dernière, ou après 15-20 matchs. Tu vois Danny Ainge en tribune qui regarde Will Hardy d'un air je vais te buter. Qu'est-ce que tu fais? C'est l'année où il y a Wembanyama et tu fais bien jouer l'équipe et tu fais gagner des matchs. Alors, c'était évidemment une surinterprétation. Je pense qu'il est content du travail de Will Hardy, mais bref. Quel spécialiste du pressing doit être ciblé par les Bucks? Pas pressing défensif, ça ils s'en foutent, mais les maillots mal repassés, c'est un sacré fléau. Ouais, j'ai pas trop la tirade de Yanis sur même le gars des maillots doit faire un meilleur match. Et le troll du jazz, justement, à ce sujet, était marrant. Ouais, c'est pas de ça dont ils ont besoin les Bucks, hein, c'est que tout le monde se bouge les fesses, notamment défensivement, et qu'ils se réveillent, parce que là, prendre 132 points encore à domicile, être sur une aussi mauvaise dynamique, c'est pas. Alors, d'un côté, tu peux t'inquiéter, d'un côté, tu peux te dire ils sont deuxièmes avec cette marge de progression. Et à la minute où Lillard et Antetokounmpo sont ensemble, tu sais que ça te garantit un minimum de points avec autour Middleton et les autres. C'est juste que ça a pas une tête de champion, voilà. C'est là où c'est. Si t'as pas un minimum de défense, normalement tu gagnes pas quoi. Ce que je trouve lourd en ce moment, c'est que beaucoup d'équipes mal vues depuis plusieurs années renaissent de leurs cendres, comme les Knicks, les Kings, les Wolves. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne réflexion. Les Knicks longtemps la lose, les Wolves n'en parlons pas, c'était la pire franchise de sport dans le sport US, et les Kings n'avaient pas fait les playoffs depuis 17-18 ans, non? Je sais plus. Oui, c'est intéressant de revoir des équipes. C'est bien quand le paysage change un peu, que c'est pas toujours les mêmes équipes. À un moment, on savait quelle serait la finale quasiment Golden State Cleveland. Un nouveau champion avec Denver. Il y avait eu même Milwaukee qui n'avait pas gagné depuis longtemps, il n'y a pas si longtemps quand ils ont gagné leur titre. Je suis d'accord, c'est très bien de revoir des équipes un peu sortir de. Parce que c'est quand même frustrant. Enfin, je pense au fanbase. T'es fan des Kings, t'as souffert quand même des Knicks, t'avais une campagne de playoff de temps en temps, Minnesota n'en parlons pas, depuis que Garnett, à part quand Garnett était là, c'est quand même dur. Je suis d'accord, c'est intéressant à suivre. La dilettante de D'Lo est un peu énervant, ouais, mais le gars sait que c'est le premier à sauter s'il y a un trade, donc c'est pas si simple que ça sa situation, je pense. Avec en plus les line-up qui changent tout le temps, bon, je suis pas du tout fan de D'Lo, hein, mais je peux comprendre que la situation soit pas idéale pour lui.
Yanis, il est dans un autre monde depuis 6 mois, il faut revenir parmi nous, l'ami. Ouais, il a un peu déconnecté, je sais pas. Après, il est quand même monstrueux, donc ça change pas. C'est plus sur le côté leadership, je sais pas. Je laisse Shay expliquer, alors j'ai raté un épisode, désolé. C'est parce que je laisse passer trop de messages. Pour les bugs, je reste persuadé que le move de Lillard les a rendus moins forts, je pense aussi. En tout cas défensivement et dans l'optique des playoffs, très possible. Mais bon, c'est une autre approche. Puis il y a le changement de coach, faut pas oublier le changement de coach aussi. C'est presque aussi important, je pense, que le trade de Lillard. Salut Caillou Cap. Non, Alexis, t'es pas le seul à ne pas aimer vraiment la communication d'Yanis depuis quelques temps. Voilà, je suis assez d'accord. Je descends un peu. Salut JSW, penses-tu que les Bulls peuvent être la surprise de la saison après avoir mal débuté? Non. Une surprise, oui, parce qu'on les attendait en explosion de roster et être beaucoup plus loin que ça des places intéressantes. Et en tout cas, ils sont redevenus, on le redit à chaque fois, ils sont redevenus matables, regardables. Et c'est déjà ça. Ça veut pas dire que ça va être la grosse surprise et qu'ils vont tout casser, mais en tout cas, au moins, c'est un peu plus sympa. Franchement, on va me prendre pour un ouf, mais aujourd'hui ou dans 4 mois, tu me proposes une série de playoffs en demi-Bucks Heat. Je vois le Heat leur mettre une raclée, pas forcément comme l'année dernière, mais 4-2 normal. Je suis désolé, mais leur entraîneur, aïe, il a le regard dans le vide, sans aucune solution. Eric Spoelstra peut vraiment le bouffer tout cru. Eh ben, je suis pas loin d'être d'accord. En tout cas, tu mets Spoelstra dans une série contre un autre coach, je suis un peu inquiet. Enfin, je serais un peu inquiet pour l'autre coach, quel qu'il soit. Donc, Adrian Griffin, qui pour l'instant ne m'a pas convaincu non plus. Ça a commencé très tôt, hein, le départ de Terry Stotts après 10 jours de training camp, je crois. Forcément, c'est. Ouais. Alors, sur le Heat, joue bien, malgré les absences de Butler, malgré. Bah, l'échec du trade de Lillard, tout ça, ils sont bien. Donc ouais, c'est pas déconnant, on ne prend pas pour un fou de dire ça. Milwaukee pour l'instant, ils ont des choses à régler, alors que le Heat c'est très bien quelle équipe elle est. Shai est imperméable à la fatigue, non, peut-être pas Flo quand même. J'irai pas jusque là. On est résistant, mais bon, on vieillit aussi. La question portait sur l'origine de mon pseudo. Ah oui, bah oui, Élise Ducey, grande enquêtrice à la. Au civil et grand enquêteur dans la late session. Benjamin annonce les Spurs à Paris en 2024, 2025 donc du coup. Ouais, on en parlait un peu au début, je sais, j'ai pas vu si c'était officiel, je vais aller regarder si ce qu'a dit notre ami Benjamin. Ah ouais, The Athletic dit carrément que les Spurs vont jouer là-bas. Ok. Bah c'est mortel. Je pense qu'il. Là, ça va être. Ouais, déjà que c'est compliqué le prix des places, là bon. Je pense que. Ça va, c'est très bien, ça va redonner y a un intérêt, ne serait-ce qu'avoir Wembanyama, même si c'est pas une affiche de fou, je sais pas encore, on sait pas encore qui ce sera, mais c'est non, c'est super. Forcément, avec les affiches qu'on a eues récemment, ça va être cool. Pop, c'est comme Fabien Galthié, c'est la flèche du temps, il veut un Wemby top niveau vers ses 26-27 ans. Ouais, et le projet, le projet, ils veulent prendre le temps, ils prennent la patience, on verra s'ils ont raison. Hein. Je pense que Victor, lui, il s'estime prêt tout de suite, mais. Mais ils sont axés sur le développement plus que sur les résultats. Ça, c'est un poncif de dire ça, mais c'est pour ça que moi j'attends. Je veux juste pas que le truc laboratoire dure trop trop longtemps. Juste à raison, Lillard a des problèmes personnels à régler, c'est pas évident. Il n'est pas catastrophique, hein. Il y a des matchs où il est un peu maladroit, mais il n'est pas du tout catastrophique. Mais peut-être que ça ira mieux une fois qu'il aura réglé ses soucis perso. Par contre, ça fait plus de 10 ans qu'il vit dans la même ville, il est en train de divorcer, il est tradé. J'ai gagné un abonnement sur tout, merci Antoine. Ah oui. D'ailleurs, Antoine a promis, hein, Antoine qui, je le répète, n'est pas là parce qu'il prépare son vol très très tôt demain matin pour Paris. Antoine a promis d'offrir, je sais plus combien, 3 ou 4 subs. 3 ou 4 subs pour se faire pardonner de son absence. Face aux Hornets pour avoir une belle affiche comme d'habitude. Oui, l'affiche sera pas top, mais là, juste la seule présence de Wembanyama, ça va déclencher. Ça va dé ça, les foules vont se déplacer forcément. C'est Antonio Boulazac, ouais. Économiser 100 euros par mois pour voir OMB à Paris. Ouais, je pense que. Falloir, bon, les places vont peut-être être au même prix, en fait, elles seront toujours aussi dures à obtenir, à mon avis. Tu prends quoi comme vitamine pour être toujours en forme tous les matins? Alors, je ne suis pas en forme tous les matins, je suis présent, mais parfois, parfois intérieurement, c'est plus compliqué. Non, j'ai jamais beaucoup dormi. J'ai jamais beaucoup dormi. Il y a quelques années où je dormais même 3 heures par nuit pour suivre la NBA et en même temps aller en cours. J'ai jamais eu besoin de beaucoup dormir, c'est de plus en plus compliqué en vieillissant et forcément après t'as des enfants, tu récupères moins,
C'est logique, mais jamais eu besoin de beaucoup dormir. Je prends pas particulièrement de. Si je prends pas, ça m'arrive, je prends souvent des vitamines le matin, des petites gommes là, mais c'est pas. Je crois pas que ce soit ça qui me permette de me réveiller le matin. Je cible pas Lillard, mais ce qui a été échangé pour Lillard, oui. Bah oui, Jrue Holiday envoyé chez le concurrent direct, c'est. Ça fait mal. Je suis d'accord, Gis. On parlait des qualités de création d'Anthony Black, ses stats à la passe sont cata. Bah, ses stats sont pas du tout impressionnantes, hein. Mais par contre, je lui trouve plein de qualités. On voit un peu le genre de joueur couteau suisse ou très complet qu'il peut devenir. Après, voilà, s'il avait de bonnes stats, il était meilleur à la création à la fac, mais c'est un mec qui a fait quoi? Il a fait un an de fac, c'était un freshman, je crois. Moi, je vois des trucs intéressants défensivement aussi. Je vois plus le potentiel pour l'instant et je trouve ça très bien qu'il joue déjà. Alors, c'est forcément lié aux absences de Markelle Fultz, mais. Je suis déjà content que le Magic lui donne sa chance et au moins lui permette de faire des erreurs et de se montrer quoi. Le cachalot, First Team en parlait, tu penses que si ce côté laboratoire dure trop longtemps aux Spurs, ça pourrait tuer des joueurs, typiquement Sohan par exemple. Je pense pas que ça durera trop longtemps et pour l'instant c'est peut-être une confiance aveugle en Popovic et dans la machine Spurs, mais je pense pour l'instant que ça va plus leur servir qu'autre chose, en tout cas je l'espère. C'est pas impossible qu'il y en ait qui résistent pas à ces essais-là, forcément. Tout le monde va pas rester. Au bout d'un moment, ils vont enclencher la seconde et faire des trades. Enfin, je pense, hein, drafter d'autres joueurs, parce que forcément, ils vont avoir des lottery picks. Je pense pas que Sohan, ça va le tuer. Ça l'a peut-être. Faudra voir les effets à moyen terme, ne serait-ce que l'année prochaine. Il va pas perdre ses qualités. C'est encore un très jeune joueur qui est polyvalent. Je pense que. Honnêtement, ils sont dans l'approche de développement et ils vont se développer. Il y a des trucs un peu curieux, des mecs qui vont sur le banc, des types qu'on pensait titulaires, qui ont joué avec Team USA comme Keldon Johnson, Vassell qui met un peu de temps aussi, et qui est très bon par instant et d'autres fois où il disparaît. Ils sont dans ce côté laboratoire. Moi, pour l'instant, je dis rien, je les laisse faire parce qu'il faut les projets de reconstruction et les équipes qui ont tanké, il faut leur laisser le temps. Oui, on a envie, forcément, il y a Wembanyama dans l'équipe, tu as envie de les voir être compétitifs tout de suite. Tu peux te dire, ah, s'il avait été à Houston, s'il avait été là, mais pour l'instant, je crois qu'il faut vraiment être patient. Et si ça dure trop, là, il faudra se dire, ok, Pop, il a 75 ans, il est peut-être plus adapté au basket moderne, mais on n'en est pas là du tout. Mais pour l'instant, je continue de lui faire confiance. Voilà, c'est ça, Bud Eric, t'as un peu résumé ce que je pensais. Il fait sa première saison avec un bilan positif et on pense déjà qu'il est plus fort que Tatum doucement. Alors, en tout cas, il n'est pas très loin en termes de niveau. Ah oui, avec un bilan positif, c'est sa première, mais on l'avait déjà vu qu'il était fort. Franchement, il enchaîne et en tant que franchise player, en tout cas, je dis pas qu'il est meilleur que Tatum. Tatum, il est allé plusieurs fois en finale de conférence, un excellent joueur, aspirant MVP à plusieurs reprises, mais en tout cas, c'est pas un scandale de dire qu'il est dans la même, il est en train de, il est un peu dans la même gamme de joueurs maintenant, par la force des choses. Après, comparer les deux, bon, c'est même pas le même poste, donc c'est compliqué. J'espère qu'ils ne vont pas gâter l'année rookie de Wemby. Bah, je pense ils sont prudents avec lui. Le temps de jeu est limité. Il progresse quand même. Hein, il apprend des choses. Il fait des erreurs aussi. Hein, les choix de shoot un peu erratiques parfois. Mais non, je pense pas qu'il gâche son année rookie. C'était compliqué d'être compétitif dans tous les cas. Hein, moi, je vous dis, il faut attendre la deuxième saison. Sans trop cirer les pompes de Pop, c'est juste que gagner des matchs n'arrange pas les Spurs pour le moment. On peut pas l'avouer, et en même temps se réjouir que des abonnements et remplissage de la salle record. Ouais. Oui, clairement, il privilégie le développement au résultat. C'est aussi simple que ça. Penses-tu qu'Haliburton sera apte pour l'All-Star Game? Alors, il est réévalué dans 2 semaines, on en parlait tout à l'heure. Je pense qu'en tout cas, il sera présent, même s'il joue peu, il sera présent, c'est dans un mois. Ouais, ça peut être limite, ils vont pas forcer, mais il sera peut-être au moins présent. Ils vont peut-être pas le remplacer formellement. S'il tente de trade DeJounte, c'est qu'il pense que Victor est déjà prêt à être accompagné pour viser les playoffs dès la saison prochaine, non? Ouais, peut-être. En tout cas, ils veulent pas se contenter de ce qu'ils ont fait là, en tout cas. S'ils font des moves comme ça et qu'ils ramènent des joueurs plus expérimentés, c'est évident. C'est évident et je pense qu'ils savent que Victor est pas loin d'être prêt pour jouer, pour être compétitif. Enfin, suffit de le voir sur le temps de jeu qu'il a. Tu le transposes à ne serait-ce que 35 minutes et t'as des dingueries. Il est vraiment fort celui qui est annoncé premier à la draft 2025, j'ai oublié son nom, c'est Cooper Flagg. Oui, de ce qu'on voit pour l'instant, il est très très fort.
J'avais écrit un petit portrait sur lui par rapport à tout ce que j'avais pu récolter comme info et voir de matchs de lui. Alors, c'était plus des highlights très très étendus, mais. Et plus la personnalité aussi qui est intéressante. Pareil, il a pas froid aux yeux. C'est une sorte de mec ultra complet, un Kirilenko, mais alors, je vous dis ça, peut-être ça parlera pas à tout le monde, mais un mec ultra fort, enfin, qui a vraiment des armes en défense, des armes en attaque, qui est athlétique, qui peut jouer sur plein de postes. Ouais, il est vraiment fort et il y a des équipes qui vont tanker pour lui. Alors, il n'y a pas la hype de Wembanyama l'année dernière, mais ouais. Les Américains vont. Vous allez en entendre parler de Cooper Flagg, c'est sûr. Et en plus, il est à Duke, donc il va être surveillé à Duke. On parle de la perte de Jrue, mais celle de Grayson Allen fait mal aussi. Quelle saison pour lui du côté Suns? Lui et KD sont 47% à 3 points, il mène la ligue à 3 points. Merci Donkey Bonzo d'être monté dans le wagon. Oui, bah Grayson Allen, en playoff, j'ai jamais été fan de Grayson Allen, mais oui, c'est un joueur important de leur rotation, forcément. Malik Beasley, il est un peu irrégulier, il shoote fort à 3 points aussi quand même. Ouais, peut-être qu'il faudra voir Allen, faudra voir sur le plus long terme aussi. C'est un défenseur correct, mais c'est pas lui qui allait changer, qui apportait toute cette rigueur défensive. C'est plus Jrue, le capitaine de défense. La draft 2024, t'en penses quoi? On en a parlé un peu la dernière fois, je crois, avec Benjamin. Pour l'instant, on a du mal à voir des. On aime bien en faire trois caisses, les talents générationnels à chaque fois et tout ça. Je vois pour l'instant pas de talent générationnel dans le sens où on l'entendrait ça depuis quelques années. Mais il y a des bons joueurs. Déjà, il y a des Français qui vont encore être pris haut, a priori, même si pour l'instant c'est qu'une tendance de l'instant. Je vais attendre, on va attendre de voir, je pense. Il y a des petits joueurs que j'aime bien. Carrington, j'aime bien, Lamine. À la base, il y avait les joueurs qui étaient en J-League avec Ignite, comme Ronoland, avait une grosse cote, mais ça baisse un peu. Alexandre Sarr, il est bon aussi, il est intéressant, mais pour l'instant, je vais pas me prononcer. Il y a des talents, mais on n'est pas encore sur. On n'est a priori pas sur une QV exceptionnelle. Celle de 2025, elle est attendue un peu plus forte déjà. On est tous d'accord, malgré les stats stratosphériques de Wemby, ce sera Chet Holmgren, le futur Roy. On n'est pas tous d'accord. Oui, il a d'énormes arguments. Il joue dans une équipe qu'il a réussi à rendre encore meilleure. Il est excellent en défense, il est ultra efficace. Enfin, oui, peut-être qu'il mène la danse, mais c'est un trophée qui est quand même généralement aussi décerné sur les stats individuelles. Elles sont excellentes, celles d'Holmgren. Hein. Elles sont phénoménales pour un rookie, même si tout le monde n'est pas d'accord sur le fait qu'il mérite ou non cette appellation. Les stats de Wembanyama, elles sont violentes quand même. Hein. Il fait des trucs que très très peu de rookies, voire aucun rookie en fait. Donc ça va se. Ça va, ça se décidera un peu en cours un peu plus tard dans la saison, je pense. Je suis pas sûr que les votants se prennent la tête à prendre le contexte en se disant que Holmgren est dans une équipe plus fonctionnelle, tout ça. Mais ça rentre aussi en ligne de compte. Mais oui, je suis pas du tout choqué si on me dit que Holmgren est rookie et favori là à l'instant T, peut-être, ouais. Physiquement, il fait penser à AK-47, Flag, ouais. Il y a un peu de ça, ouais. Joueur phénoménal, Kirilenko, les joueurs l'ont oublié, mais. Moi, je l'ai vu la saison où j'étais à New York, il jouait au Nets, et donc je le voyais tout le temps. Il était vraiment pas au pic de sa carrière, loin de là, mais même, je me souviens de matchs qu'il fait défensivement, il est pouah, trop fort. Alors, c'était pas le Kirilenko du Jazz, mais c'était vraiment un super joueur. Je suis persuadé qu'ils veulent avoir leur propre jeune point guard à la Tipeee au lieu d'en ramener un vétéran. Ouais, alors qui? C'est ça la question. Tu veux dire qu'ils vont le drafter? Il y a un mec qui s'appelle Ostertag qui nous parle de Morrowind. T'inquiète, on est assez vieux pour connaître Kirilenko. Bon, ça va, maestro. C'est vrai que vous n'êtes pas des jeunes premiers, les lecteurs. Je trouve ça très surprenant. Quel est le rookie qui marque l'histoire et les esprits pour l'instant dans une équipe dramatique où chacun essaie de se faire voir? Ouais, non, mais c'est serré. Dans tous les cas, la course entre les deux, elle est intéressante, mais elle est serrée. Mais je. Ouais, bah, c'est possible qu'Holmgren ait une avance. Hein, et les classements du rookie du mois, je crois qu'il a gagné les deux premiers, c'est ça? Mais je sais, je dis ça tout le temps, mais il faut attendre un petit peu encore. On arrive à la mi-saison, pas à l'abri de blessures, pas à l'abri de baisses. On va attendre. Oui, bah, ils ont peur qu'ils se blessent, c'est ça aussi. Le 26 minutes, ils visent le long terme. Hein. Tom Gugliotta, il y a encore un pseudo qui montre que forcément vous connaissez Kirilenko. C'est qui Jrue Holiday? Un frère de Jrue Holiday. Bon, vous noterez qu'Antoine dit de plus en plus souvent Jrue Holiday dans les SQFR le matin. Hein. Je pense qu'il a pris vos remarques en compte.
Ce serait quoi le move idéal à faire pour les Sixers avant la deadline? J'arrive pas à capter ce qu'il manque pour passer un step, nous dit Nopesto. Pas le temps de mater beaucoup de matchs cette saison. Qu'est-ce qu'il leur manque pour passer un step? Un peu plus de talent peut-être. Par contre, quand et aussi peut-être le fait qu'Embiid évite les blessures. Là, il a le genou gonflé, il a manqué le dernier match. Sinon, ils sont bien les Sixers, honnêtement. Ils font pas beaucoup de bruit parce qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau à dire sur eux. Mais Maxi continue de faire une saison de calibre All-Star. Et Embiid, quand il joue, il marche sur les adversaires. Enfin, il a l'air heureux, épanoui, c'est très bien. Après, je pense qu'il y aura des limites sur la force de frappe qu'ils auront en playoff. Mais pour l'instant, je ne sais pas s'il leur manque tant de choses que ça. Il leur manque un peu de talent. S'ils peuvent faire un move et utiliser un peu de ce qu'ils ont de côté pour se renforcer, ça peut être un peu de renfort. À la main, enfin sur les lignes arrière, peut-être. Harold Maynard, cite Ostertag, à l'ancienne. Il faudrait un bon vieux Mehmet Okur, vous nous sortez les gars là. Joël, cette année, malheureusement, faut oublier le MVP, ses blessures et nombre de matchs éligibles. Oui, mais c'est pas grave, je pense, non. Ça y est, il a eu ce qu'il voulait, Embiid. C'était un truc qui l'obsédait un peu, le trophée de MVP, même s'il disait un peu le contraire, mais. C'est pas grave. Du moment que, moi, pour moi, le problème, c'est qu'il arrivait toujours en playoff avec un pépin physique. Il était à 70% au grand max, que ce soit une blessure au pied, au genou. Il s'était fait même exploser le nez à un moment juste avant les playoffs. Si Embiid arrive à 100%, ils vont embêter du monde. Hein. C'est pas drôle du tout de jouer à Embiid concerné. Maxi, je le trouve vraiment bien cette année aussi. Ils ont de quoi faire. Melton doit sortir du 5 et qu'il prenne un profil à la Conley, ouais. Ce serait bien. Melton fait une bonne saison. Hein. Melton, il est intéressant. Peut-être plus en sortie de banc, effectivement. Shai, toi qui suis la WNBA, Caitlin Clark, futur numéro 1 de draft, sans débat, non? Alors, sans débat. oui, je sais bien, tu sais que je suis à fond la WNBA et que ça me passionne, même la NCAA féminine. Caitlin Clark, c'est une joueuse exceptionnelle. Elle sera numéro 1 de draft, c'est pas un. C'est une évidence parce qu'il y a l'impact médiatique de ce qu'elle fait. Après, je ne sais pas si à terme ce sera la meilleure joueuse pardon, de cette classe de draft. Il y a d'autres joueuses, si tu t'y intéresses un peu. Alors, on sait, a priori, Paige Bueckers, elle hésite encore à se présenter. Elle a eu beaucoup de blessures, elle a manqué des saisons. On va peut-être prendre sa saison bonus, mais il y a d'autres joueuses, quoi. Moi, franchement, en tant que GM, alors je sais que Clark, elle est fantastique, elle va amener de l'intérêt sur la WNBA. Elle shoot depuis le parking, elle fait des triple-doubles, des matchs à 45 points. Mais voilà, Flo, comme tu le cites, Cameron Brink, voilà, si vous la connaissez pas, c'est une protégée de Steph Curry, amie de la famille. Une intérieure, 1m80, quoi, 94, 95, je sais plus. Elle est phénoménale, elle sait tout faire en défense, c'est un pouvoir de dissuasion incroyable, elle a énormément progressé en attaque. Elle va, je pense, être élue joueuse de l'année, elle joue à Stanford. Et moi, sur le potentiel et le plafond, je la prendrais presque en first pick. Ce sera Caitlin Clark, et c'est très bien. Ne serait-ce que pour la médiatisation, elle va aller à Indiana, je pense, qui a décroché le first pick et qui va pouvoir avoir une équipe intéressante en NBA et une équipe intéressante en WNBA avec deux arrières, deux guards, avec un jeu un peu sexy. Bonsoir, Mister One Two. Quand on voit comment RJ Barrett s'en sort aux Raptors, on a le droit de mettre un petit taquet à Thibodeau. Ah, on va voir, tu sais Flo, si vous avez écouté récemment, je défendais l'idée selon laquelle pour moi Barrett allait être plus épanoui ailleurs, mais en même temps vous savez aussi peut-être que j'aime beaucoup Tom Thibodeau, malgré ses défauts et le fait qu'il n'est peut-être pas adapté à la NBA actuelle, que c'est trop défensif. Alors oui, lui mettre un taquet peut-être, parce qu'il a pas réussi à déverrouiller le plein potentiel de Barrett peut-être. On pourra lui mettre un taquet si Barrett se développe et devient un joueur All-Star à Toronto. En attendant, les Knicks, ils n'arrêtent pas de gagner. Anunoby marche bien. Randle est phénoménal. Brunson est toujours bon. Bon, voilà. Pour l'instant, on va pas. Les deux équipes sont gagnantes pour l'instant sur le bilan, si on s'en tient au fait. C'est pas. Toronto a récupéré un joueur encore assez jeune, un local, qui va pouvoir se développer chez eux. Et les Knicks ont récupéré un joueur un peu plus près maintenant. Sur le long terme, moi sur le coup, si vous nous avez écouté au moment de l'analyse du trade, moi je trouvais que Toronto avait peut-être fait la meilleure affaire parce qu'Anunoby est en fin de contrat. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici là. Mais bon, visiblement, ça se passe bien. Et je pense qu'on est peut-être effectivement sur un deal gagnant-gagnant. Et si, bah, en tant que fan des Raptors,
si t'es plutôt content du trade, c'est que voilà, je pense que les autres fans partagent ton avis. Baba Boykins, en parlant de WNBA, pourquoi Marine Fautou, draft en 2021, ne joue toujours pas avec les New York Liberty? C'est du... La WNBA, c'est dur. Hein. J'adore Marine Fautou, mais ça fait pas si longtemps que ça déjà qu'elle est meneuse titulaire, ne serait-ce qu'en dans le championnat français. Et elle est, alors, si on s'en tient au profil, alors elle a la niaque et la combativité et plein d'autres trucs qui font qu'elle peut jouer en WNBA. Mais il faut voir, enfin, c'est la meilleure ligue du monde, il n'y a que 12 équipes. Donc, et puis elle est draftée par New York, qui a une armada, même Marine Johannes, elle n'est pas titulaire. Donc je vous laisse imaginer Marine Fautou qui est toute jeune. Je pense qu'elle viendra plus tard dans sa carrière, peut-être pas à New York. Mais c'est pour ça qu'elle ne joue pas, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Par rapport au nombre de joueuses qui ont été draftées, mais c'est pas du tout. Je veux dire, elle progresse énormément. C'est en train de devenir une cadre de l'équipe de France. Elle est excellente en club aussi, donc c'est pas du tout anormal. Thibodeau a fait disparaître Evan, c'est digne de David Copperfield. Ouais. Ouais, Evan, on espère qu'il va sortir de là très vite. Pour les Raptors, n'oublions pas Quickly. Je suis pas fan du profil, mais c'est toujours mieux que Flynn, que Malachi Flynn, ouais. Quickly est en fin de contrat aussi, il peut partir. Mais oui, j'aime bien aussi, je le trouve bon. C'est pour ça que je disais que ça pouvait être un deal gagnant-gagnant. Si les deux équipes arrivent à re-signer les joueurs qui sont en fin de contrat, qui ont été inclus dans l'échange, et que Barrett devient le joueur que moi je pense qu'il peut devenir, avec un potentiel défensif qui n'a pas encore été déverrouillé, mais qu'il a en lui, je pense, et plus de fiabilité sur le shoot, et il est, sur le petit échantillon qu'on a vu, il l'a montré, je pense que tout le monde sera gagnant. Qui est pour toi la meilleure joueuse française all-time, Dumaire? Waouh, c'est dur comme question. Poste par poste, ouais, Dumaire pour la mène. Forcément, elle a marqué les esprits, mais il y a des joueuses, Isabelle Fijalkowski. Bon, là même, enfin, après, je prends Sandrine Gruda qui est la meilleure marqueuse. Il y en a plein. C'est pas si clair de dire que c'est Dumaire, c'est une légende. Elle a un nombre de sélections, elle a. Voilà, c'est une légende. C'est peut-être la meilleure, mais c'est une des meilleures en tout cas. Où est-ce que je regarde la WNBA? Je la regarde sur le League Pass WNBA qui coûte absolument rien. Je sais plus combien c'est. À un moment, c'était 15$ par an pour tout voir. Tu mets où Emma Mesman dans la hiérarchie des meilleures joueuses européennes de l'histoire? C'est une bonne question, ça. Flo et Gis dans le chat sont peut-être encore plus indiqués que moi pour vous citer ça. Ouais, bonne réponse, Flo. Je pense de l'histoire, c'est chaud. Elle est... Ouais, de l'histoire, elle est... Je pense qu'elle est en train d'entrer dans le top 10 quand même, minimum, hein. Et actuelle, bah, c'est la meilleure joueuse européenne actuelle, tout simplement. C'est une des meilleures joueuses du monde tout court, Emma Mesman. D'ailleurs, Shai, sosie vocale de Garcimore, Pablo Longoria. Ah, c'est vrai. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de Garcimore, qui doit être décédé, d'ailleurs, je pense. Pablo Longoria, ouais. Oui, il y a quelque chose, je pense. Plus l'accent, ouais. Pour moi, Gruda, c'est la meilleure. Je pense pas. Je pense pas que Sandrine Gruda est la meilleure joueuse de l'histoire de l'équipe du basket français. C'est une joueuse formidable, super forte. Magnifique carrière quand même. En club, elle a joué un peu en WNBA aussi. En Europe, elle a fait des belles choses. Je pense pas que ce soit la meilleure joueuse. Sandrine Gruda. Oui, son shoot, bon. Mais bah, son shoot, elle a fait sa carrière dessus. Et oui, ça, alors c'est les lancers, je pense que tu parles aussi des lancers, parce que bon, son shoot, il est un peu saccadé, cassé. Au lancer, c'est un peu perturbant visuellement. Mais elle a, bon, là, pas eu besoin de développer un shoot plus propre que ça pour faire une carrière magnifique. J'ai peur d'oublier du monde. À l'ancienne, il y a eu des légendes, mais qu'on oublie parce qu'il y avait zéro médiatisation. Ouais. Oui, t'as raison, Flo, il y a des joueuses. Mais elle est carrément dedans, enfin, elle est phénoménale. Salut Abitumka qui vient d'arriver. Tu viens de finir ton entraînement, comme Antoine Pimel sans doute, qui j'espère est déjà dans le lit pour ne pas rater son avion demain matin pour me rejoindre dans la capitale, pour assister aux festivités, entre guillemets, entre guillemets, du Paris Game. Toumani est titulaire, absolument, et Toumani est excellent. Toumani est excellent, Toumani montre que c'est un joueur de rotation en NBA et qui ferait pas de mal à Phoenix, je pense. Il leur apporterait pas forcément de l'efficacité au tir, mais il leur apporterait de la défense et tout un tas de choses. Très bon joueur. Un style de draft. Wiggins serait sur le marché. Quelle est sa valeur avec ce début de saison et qui en voudrait? C'est une bonne question, Mr. One-Two, parce que ça va peut-être être le facteur clé du réveil ou non des Warriors, je pense. Parce qu'il est vraiment... C'est même pas qu'il est un peu décevant, c'est qu'il a totalement...
disparu. Il a eu ses problèmes perso de l'année dernière. On ne sait pas exactement ce qu'il y avait. Il y avait des rumeurs dans tous les sens. Il a clairement été affecté. Et là, il est méconnaissable sur le terrain. Il défend pas bien, alors que c'est un excellent défenseur. Il disparaît des matchs. Il n'est pas si loin que ça de disparaître même du 5 et de la rotation, j'ai l'impression. Hein. Il n'est vraiment pas dans une bonne passe. Et donc, sa valeur, pour l'instant, n'est pas très élevée. Mais dans l'absolu, elle reste quand même. Enfin, je veux dire, il y a 2 ans, c'était peut-être le deuxième meilleur joueur de l'équipe qui a été championne. Donc. Quand même, enfin le deuxième joueur plus important. Donc, il a encore une valeur. Il est pas si vieux. Il a de la valeur. Qui en voudrait? Bonne question. Bonne question. J'ai pas la réponse. Dallas, non, je pense pas. Je pense pas, Loulou. Peut-être pas Dallas. Pitunka, les joueurs vont choper la crève à cause de la photo face à la Tour Eiffel, ouais. Et Sam Merrill était en short, hein, d'ailleurs. Sam Merrill était en short. Ça m'a fait penser que j'ai vu mon ancien coach du foot la semaine dernière et il m'a dit le truc dont on se souvient le plus de toi, c'est que tu jouais, même aux entraînements, même par moins 5, tu jouais en short et pas en jogging comme les autres. Voilà, je ne l'ai pas marqué par mon niveau footballistique, mais plus par ma résistance au froid. Et donc, ouais, Sam Merrill était en short. Oui, Ben serait outré par mes propos, mais là, Ben, il doit être. C'est l'heure du goûter, là, à Santonio, il ne doit pas nous écouter, je pense. Donc, ça va, je suis tranquille. Antoine privilégie son entraînement à la Elite Station. C'est pas l'entraînement qu'il privilégie, c'est son vol. Son vol de demain matin, je crois qu'il doit partir de Munich pour l'aéroport à 5h45. On peut l'excuser, il sait qu'en général on discute et que ça traîne un peu et il a bien raison. Ne vous inquiétez pas, il reviendra la semaine prochaine et comme je l'ai dit tout à l'heure, il a promis de vous offrir des subs comme il le fait parfois. Il m'a dit, il est même monté jusqu'à 4, je crois. Qu'est-ce que vous demandez? La question, c'est pourquoi Phoenix inclut Toumani dans le trade vu qu'il connaissait l'apport qu'il pouvait avoir directement. Je ne sais pas s'il s'attendait à ce qu'il soit aussi bon, hein, je pense. Puis leur objectif, c'était Bradley Beal, c'était pas de développer un rookie, je pense. Pas grand monde n'a la forme à dire Golden State, ouais, t'as raison, Mestro. Ouais. Curry non plus n'est pas dans une grande forme, on l'entend pas beaucoup. Ouais. J'ai hâte de t'écouter parler anglais lors de tes interviews avec les joueurs NBA. Je sais pas si tu vas m'entendre, hein, Baba. Hein. Parce que ce sera les petites interviews, ça va être au bord du terrain. On va pouvoir poser des questions. Ou alors si vous écoutez la conf de presse d'Adam Silver et des coachs, peut-être. L'année dernière, j'avais posé quelques questions. Et je crois que c'est diffusé en direct. Mais bon, je suis pas sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Hein, je vais pas vous le cacher. En général, c'est sympa à faire. Tu peux poser des questions et tout. Mais c'est pas du one-one. T'es un peu noyé au milieu du monde. Derek, comment un Parisien comme toi peut-il soutenir l'OM? Tu m'as l'air choqué, et puis avec le 75 dans ton pseudo, je sens que ça te tient à cœur. Bah, tu sais, quand j'étais petit, je faisais comme mon père, et puis il était fan de l'OM. Et quand j'avais 6 ans, je l'ai vu célébrer le but de Basile Boli, je l'ai vu suivre à fond l'OM, et puis bah, ça ne m'a pas quitté. Et aujourd'hui, je suis en relation toxique avec l'Olympique de Marseille. Voilà. Un trade sec avec Lavine, tu penses? Je pense. Mais déjà, est-ce que c'est Lavine qui réglerait les problèmes des Warriors? Je suis pas sûr. Hein. Puis il joue pas vraiment au même poste, c'est pas le même registre. Toumani, il joue au Real. Je pense à Tchouaméni peut-être, mais. Le sport, c'est toujours en short, Alexis. Merci. Oui, Flo, les claquettes sont au moins aussi choquantes que le short, je suis d'accord avec toi. C'est un attentat contre le style. Les gars, la First Team pensait à un trade de Fournier aux Los Angeles Lakers. Je pense que ce serait une super destination pour lui, mais qui mettre dans le trade en face? Oui, bonne destination, mais comme je l'ai dit, moi j'ai envie qu'il aille n'importe où, du moment où il peut jouer. Bah, les joueurs qui sont susceptibles de partir pour les Lakers, c'est D'Angelo Russell. Est-ce que les joueurs qu'ils ont recrutés lors de la dernière trade deadline les satisfont vraiment? Après, il y a des joueurs qui sont encore là pour leur apport défensif. Vanderbilt, il est un peu décevant, mais tu sais ce qu'il est censé apporter. Torian Prince. Non, ça va se jouer autour de D'Angelo Russell, je pense. Oui, mon Basilou. Je pense que le mois de décembre de Rudy lui a fait perdre des points. Est-ce que je pense que le mois de décembre de Rudy lui a fait perdre des points pour l'All-Star Game et le DPOY de l'année? Je sais pas. Bon, pour le Defensive Player, non, je pense pas. Il n'y a pas non plus de mec.
qui je pense, le dépasse à l'heure actuelle. Pour l'All-Star Game, si on se base que sur les stats, il a un peu baissé niveau stats, mais les Wolves ont gagné moins de matchs. Mais s'ils sont toujours top 2, top 3 au moment où les coachs vont devoir choisir les remplaçants, je pense qu'il. Moi, j'ai de bon espoir qu'il y aille. Fatherwill, mais oui, tu vois, quand on vend. Toi aussi, tu faisais comme. Tu suivais un peu ce que faisaient ton père et ton grand-père, c'est ouais, c'est pareil, c'est ça, moi, pour Marseille. Est-ce que tu as déjà interviewé un joueur NBA pas aimable du tout? Oui, oui, clairement. C'était souvent. Après, pour les dédouaner, c'était souvent dans les vestiaires après les matchs. Donc là, moi j'ai fait la saison 2013-2014 à New York, donc j'ai vu passer pas mal de monde. Et bon, les mauvaises expériences, pas vraiment des mauvaises expériences, mais bon, de Marcus Cousins 2 fois, c'était compliqué. Tu sens qu'il a envie de te tuer. Les Kings avaient perdu en plus, donc c'était dur. Pas hyper bonne expérience avec Kyle Lowry à l'époque, mais pareil, après une défaite, t'as des gens, voilà, parfois faut comprendre qu'ils sont pas, ils ont pas forcément envie de parler. En plus, parfois on leur a posé la même question 18 000 fois. Toi, t'arrives, t'as une question même un peu différente. Ils sont fatigués, ils n'ont pas envie de répondre, donc ils t'envoient un peu valser. J'ai pas eu une très bonne première expérience avec Giannis Antetokounmpo. Il était rookie ou deuxième année, je crois. Et j'avais interviewé qu'elle avec lui, il avait annulé. Et puis après, finalement, je l'avais eu 5 minutes dans un couloir. Il n'était pas très pareil, de très bon. Et sa maîtrise de l'anglais n'était pas la même aussi. Et comme je ne parle pas grec, c'était. Non, non, mais par contre, après, je l'ai re-eu. Donc, on était deux, trois journalistes en même temps. Et là, il était beaucoup plus détendu, beaucoup mieux adapté au pays, certainement aussi. Mais il n'était pas désagréable, c'est juste qu'il n'était pas très à l'aise. Sinon, globalement, non. Sinon, c'est quand même tous des pros. Ils sont quand même plutôt agréables et bons clients en général. Et j'ai encore du retard dans les messages. Du coup, t'as prévu quoi comme question à poser à Adam Silver? J'y ai pas réfléchi encore. Je le ferai tranquillement demain matin, je me demanderai. Et puis parfois, c'est sur le moment, hein, parfois tu as des questions auxquelles tu penses et qui sont posées par les centaines de journalistes qui sont déjà dans la salle. Et parfois, ça vient sur l'instant. Hein. Je sais plus ce que je lui avais demandé l'année dernière. J'ai oublié, mais il m'avait dit bonne question. Il avait dit bonne question. Mais ouais, je réfléchirai demain matin. Hein, puis parfois, c'est vraiment sur l'instant. Hein. On veut des noms, Alexis. J'ai donné les noms. J'ai donné les noms. Puis c'était pas des. Encore une fois, je les dédouane parce que c'était pas genre un truc de 20 minutes où j'ai jamais eu un mec pendant longtemps et qui a été absolument désagréable. Ça n'est jamais arrivé. Yanis, j'ai l'impression que c'est un faux sympa. Non, non, c'est pas un faux sympa. Et franchement, il est plutôt bon client. Je sais pas si c'est pas. Non, non, je pense pas qu'il soit un faux sympa. C'était pas toi qui avais été déçu par Jamal Murray ou c'est Antoine? C'est Antoine. Antoine, il aurait d'autres noms à vous citer, je pense, parce que il avait fait un truc avec Adidas à Barcelone où il y avait plusieurs joueurs dont Murray, non. Il y avait Porzingis. Wiggins, il a pas une bonne expérience avec Wiggins. Est-ce que ça me stresse les interviews? Bon, ça dépend qui c'est. Ça dépend qui c'est. Je suis jamais ultra en confiance, mais en général. Quand c'est en anglais, j'ai assez confiance en mon anglais, donc ça va. Mais oui, toujours un peu stressé. T'as peur que le mec te prenne pour un idiot. Et toi, si t'as le syndrome de l'imposteur, comme moi, forcément, je l'ai un peu inconsciemment en n'étant pas un basketteur. Tu vois, ça peut te faire stresser un peu, mais bon, en général, quand tu connais ton sujet, que t'es bien documenté, a priori, ça va. Tu peux, le stress disparaît un peu. Toi, Chéri, on te connaît, tu vas snober toute la NBA pour aller voir Sabrina. Eh ben, Abitounka, tu me connais tellement bien. Demain matin, je vais essayer d'aller la voir. Je suis pas sûr qu'il y aura de dispo média. J'ai vu qu'elle avait fait une interview avec Squeak, mais je suis pas sûr qu'il y aura des dispo. Je vais quand même y aller parce que voilà, ne serait-ce que pour la voir. Voilà, en tant que fan de WNBA, je suis obligé. Mon meilleur souvenir d'interview. Oh, c'est dur. C'est dur, c'est dur. J'ai adoré faire Candace Parker, c'était génial. Elle était trop sympa en plus. Moi, c'est plus les gens qui sont sympas et qui sont très. Ouais, qui donnent beaucoup. Je sais pas, là, que j'en ai pas, comme ça, j'en ai pas vraiment en tête. Carmelo avec Antoine, c'était marrant, c'était cool, c'est un bon souvenir. Et Carmelo, globalement, vraiment un mec sympa, même au quotidien, c'était cool. L'année à New York, c'était bien. Et franchement, j'ai pas. Comme ça, j'en ai pas de tête. Dans les récentes. Pour un MOOC, Bruce Bowen avait été vraiment cool. Ouais, voilà, Candace Parker, parce que je l'adore et que elle était vraiment détente.
J'en avais fait des cools avec Vucevic à un moment à l'époque quand il était à Orlando, on s'entendait bien, on parlait de Football Manager, c'était cool. Mais ouais. Est-ce que j'ai déjà tapé une barre de rire avec un joueur sur une question posée? Non, je crois pas. Je crois pas, ça me dit rien. Plus des trucs, des échanges quand tu sors quand t'as une question sur un truc auquel il s'attendait pas et que il se dit ah ouais, tu sais ça, tu savais, machin. Bon, parfois tu peux rire de. Tu peux rire de deux, trois trucs, mais des barres de rire, peut-être pas non plus, on essaie de rester un peu pro. Hein. Et l'interview où j'ai le plus stressé. Je pense que c'était Kevin Durant en 2012. 2012 ou 2013? 2012. J'avais été à Washington. Ils avaient fait un truc. Nike avait organisé un truc autour de. Bah, il faisait un peu un retour aux sources. Il est retourné voir sa famille. Il y avait un parcours et machin. Et puis on avait pu. Avec deux, trois autres journalistes, on avait pu faire une interview. Et c'était quand même assez stressant parce qu'il était. Bon, on était déjà pas ultra facile, mais au final, ça s'était bien passé. Il avait été plutôt ouvert et cool. Mais ouais, c'est assez stressant parce que c'était vraiment le mec qui montait en puissance. Et ouais, c'était stressant. J'ai une petite proposition à faire pour la question d'Adam Silver. Pourquoi n'avoir pas laissé Draymond Green prendre sa retraite? Ouais, bah tiens, on peut lui demander. Hein. Peut-être qu'ils vont lui évoquer cette discussion avec Draymond, je pense. C'est possible. Simon, moi c'est Grant Hill, j'ai bugué, j'étais à l'entraînement des Suns, je m'attendais pas à le voir, Dieu me le présente et dans ma tête ça fait juste Grant Hill, bois Sprite en boucle, c'est magnifique. mais c'est ça, moi j'ai eu ce moment de réalisation et fort heureusement, j'en sais rien. Au moins, quand les Hornets étaient venus à Paris faire le match à Paris, Jordan était devant nous, quoi. Il était assis, il répondait aux questions et il y avait quand même beaucoup de monde qui posait de questions. Et à un moment, ça, le micro arrive dans mes mains et là j'ai une sorte de grosse sueur froide. Je me dis mince, je vais poser une question à Michael Jordan, quoi. Et pile à ce moment-là, ils ont été appelés en disant non, non, vite, c'est fini, il y a un autre truc qui commence. Donc j'avais pas pu poser ma question, mais je sais même pas si j'aurais réussi à la formuler tellement j'ai eu ce moment de réalisation comme toi, t'as eu Simon avec. Avec Grant Hill. J'ai vu jouer le frère de Candace à Tel Aviv, il était super fort, ouais. Anthony Parker, c'était un très fort joueur, en tout cas en Euroleague, un peu moins NBA, mais ouais. En vrai, j'aimerais bien que quelqu'un demande à Silver pourquoi se filmer avec une arme mérite une plus grosse punition qu'un comportement répété qui met en danger les joueurs. Ouais, oui, mais tu sais, vraiment, je pense qu'il y aura des questions là-dessus, et c'est pas impossible que je demande comment ils ont dû gérer les différents événements de l'année en termes de suspension et de problèmes comme ça à gérer, c'est possible, ouais. Ça peut être intéressant. Et t'as raison, Derek, j'allais dire ça pour le côté. Et je crois que c'est dans le CQFR du week-end dernier où je répondais à une des questions exactement là-dessus. Et je disais que le fait que ce soit un tel problème de société, les violences par arme à feu, je pense que ça, dans l'inconscient, c'est quand même plus grave que même si Draymond a fait des trucs dangereux. Je pense quand même que bon. Ouais, avec Miles Bridges, on peut se demander, mais ils ont appliqué leur règlement et c'est pas de leur faute, c'est pas de la faute de l'NBA si lui n'a pas été jugé plus durement par la justice, en fait. Et après, le problème c'est que s'ils se mettent à essayer de le suspendre, lui il va attaquer et il va gagner, il va attaquer en justice, hein, c'est les États-Unis, il va dire discrimination, j'ai pas été condamné, j'ai été condamné, j'ai purgé ma peine et voilà. Ouais, plus qu'un gars qui lance des boules de billard, ouais, c'est ça, bah. Mais ça, encore une fois, ça, c'est un cas assez épineux. Évidemment, moi, je trouve c'est intolérable de le voir. C'est voir les gars être trop contents pour lui et machin, comme si de rien n'était, saluer son retour comme si c'était rien passé, c'est perturbant. Mais là, je blâme pas trop la NBA là-dessus. À la limite, plus les Hornets qui l'accueillent à bras ouverts. C'est un peu plus gênant, mais encore une fois, que je le répète, si les Hornets disent, les Hornets ou la NBA disent non, il est indésirable dans notre ligue, on le fait pas jouer, ils se prennent un procès pour discrimination dans le cadre du travail. Parce que lui, il a été condamné, il purge un truc, alors il refait des dingueries derrière, hein, mais c'est pas tellement la NBA, quoi. Le soutien des joueurs pour Miles Bridges me fait penser aux réactions des pros quand Benjamin Mendy est revenu miraculeusement. Ça, ouais, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Bah, il est revenu, hein, il joue à Lorient, il est titulaire. Alors Mendy, pareil, il n'a pas été condamné. Il a été même disculpé de toutes les plaintes, je crois. Donc lui, il peut dire, bah non, je suis innocent, pourquoi vous m'embauchez pas? Bon, Mendy était plus sous contrat, je crois. Hein, donc, puis il a fait de la prison, pour le coup.
Mais ouais, il y a un côté malaisant un peu, c'est vrai. Tu peux lui demander où en sont les discussions pour les nouvelles villes NBA comme Montréal ou Seattle. Bon, je crois qu'il doit y répondre à peu près 3 fois par semaine à ça, mais je pense qu'on va encore lui poser la question demain et il va répondre que c'est je pense, dans les 2-3 ans, si toutefois il donne une date. Pour Montréal, je sais pas, par contre, je veux pas te. Je pense que ça va être Seattle et Las Vegas, ouais. Joe Cole, tu as raison. Ça me paraît même sûr. Après, est-ce qu'on aura une autre à Montréal? Peut-être pas dans l'immédiat. Même si ce serait sympa, hein. Une franchise dans une ville francophone, en plus, serait très bien. Est-ce que la rumeur sur le fait que le match de Paris soit à Roland-Garros l'an prochain est vraie? Je n'en ai aucune idée. Déjà, c'est vous qui m'avez appris en allant voir le Twitter de Benjamin que donc c'était a priori confirmé que le match de l'année prochaine, le Paris Game de l'année prochaine aurait lieu, enfin impliquerait les Spurs à Roland-Garros. Peut-être ils en font de plus en plus hein, des matchs de basket. Mais d'un côté, est-ce qu'ils rempliraient en termes de capacité, c'est, je dis pas de bêtises, le court central, il y a moins de place qu'à Bercy quand même. Donc, je sais pas si la rumeur est. Je vais regarder en direct devant vous le compte de Benjamin, voir s'il nous a pas gratifié d'informations supplémentaires. Mais je pense pas. Je sais pas, tu l'as vu l'info sur Roland Garros, c'est aussi des athlétiques dans l'article. Bon, en tout cas, on verra, mais c'est déjà une bonne nouvelle si les Spurs viennent. Hein. Faut déménager de Détroit à Washington à Montréal, problème réglé. Putain, Détroit, ça ferait bizarre quand même, c'est une équipe un peu historique. Enfin, je suis d'accord, hein, c'est triste, mais je pense pas qu'ils les bougeront. Hein. Là, on est sur une expansion, on n'est plus sur un remplacement. Il y a eu des saisons, des années où Sacramento a eu très chaud, New Orleans a eu un peu chaud. Mais là, on est plus sur une volonté d'expansion, a priori. Je comprends le prisme problème de société, mais la NBA n'est pas un organe politique ou la police de la morale US. Il ne devrait pas être plus sévère avec quelqu'un qui met en danger ses employés qu'avec quelqu'un qui donne une mauvaise image en faisant un truc chaud mais parfaitement légal dans son pays. Je trouve ça bizarre, mais effectivement, ça doit être culturel. Bah ouais, c'est un peu ce que je dis. C'est compliqué. Bah, Morant, c'était compliqué à sanctionner à proprement parler parce qu'il a pas. Alors, il a eu des histoires. Qui l'ont mené devant un juge, enfin passé à être entendu, hein, le coup avec le jeune avec lequel il s'est un peu le jeune qui l'a tabassé là, bon, c'était visiblement plus compliqué que ça et il avait dû passer à être entendu par un juge, mais sinon à part ça, ouais, ce qui lui était reproché, oui, c'est un peu de l'ordre moral et de l'image, mauvaise représentation, mauvaise publicité pour la ligue, c'est pour ça qu'il a été sanctionné, je pense. Et qu'aurait fait Adam Silver? David Stern, je pense qu'il était quand même beaucoup moins souple qu'Adam Silver. Ça avait des très bons côtés. Enfin, c'était pas, tu l'emmerdais pas, David Stern. Il était impitoyable et avec les joueurs, bon, il les prenait dans son bureau aussi, mais je pense qu'il faisait un peu plus peur. Adam Silver est plus un commish copain. Attention, il se laisse pas emmerder non plus. Hein. Il a été formé par Stern. En tout cas, il a une image plus. Ouais. Plus aimable et peut-être plus à l'écoute des joueurs. Il sait aussi là, que c'est devenu une ligue de joueurs et il est plus pragmatique peut-être que Stern qui était très ferme, mais peut-être plus respecté et craint que Silver ne l'est par les joueurs. La question que j'aimerais poser à Silver, à quoi ressemblerait sa NBA rêvée dans 30 ans? 30 ans, c'est loin, hein? 30 ans, il sera plus comiche, mais ouais, on peut lui demander ça. Envisage-t-elle de contraindre les règles? De contraindre, pardon, les stratégies de tanking. Et ben ils ont essayé, plus ou moins, avec le play-in, avec la régulation des pourcentages pour les équipes, mais à part ça, je ne crois pas qu'ils aient prévu autre chose. L'NBA est une marque et a l'intention de l'assurance de se vendre aux familles du monde entier, les enfants surtout. Ce serait bien qu'ils se mouillent un peu sur des sujets ultra actuels comme les violences conjugales, plutôt que de rejeter la faute sur la justice qui épargne plus ou moins les célébrités depuis toujours, sans surprise. Ouais, peut-être, mais c'est quand même pas simple. Hein. C'est pas simple de se. Et ça reste un business, ça reste une entreprise multimillionnaire, milliardaire, américaine, donc avec quand même une culture américaine. Et ils ont tenté de faire des choses quand même. C'est pas la ligue la plus rétrograde. Alors je sais, c'est pas forcément la bonne approche de se dire c'est pire chez le voisin en NFL. Mais bon, faut aussi se satisfaire parfois de. Enfin, ou en tout cas saluer les initiatives et les progrès qui ont été faits sur certains des sujets, sur l'ouverture, tolérance, lutte contre les discriminations, ils ont essayé de faire des choses au moins. Et c'est pas pareil dans les autres ligues. Enfin, dans les autres ligues en NFL,
Le mec qui a mis le genou à terre, enfin, je veux dire, 6 mois après, il avait plus de club et il en a plus depuis. Donc, faut aussi reconnaître les mérites de Silver. Il a fait des choses. Je dis pas que c'est suffisant, hein, attention. Je dis pas que c'est assez et je dis pas que je serais pas content si la ligue se mouillait plus. Mais c'est oui, c'est pas un organe politique et ils ont pas cette visée-là, malheureusement. Ou pas malheureusement d'ailleurs, je dis ça. C'est juste, c'est un fait. Ouais, Colin Kaepernick qui quiche. Kaepernick, qui en plus c'était pas un peintre, c'était un bon joueur. Kaepernick avec les 49ers, c'était un bon joueur. Donc il a eu le. C'est fou quand même. Enfin, c'est pour ça que je dis qu'en NBA, ce serait passé. Ce serait passé. Il aurait été un peu plus soutenu. Vrai gars, ouais, c'est clair. Et c'était pas le premier d'ailleurs. Le souci, c'est que dans le cas de Bridges, quand on dit ça, on parle d'un licenciement, pas juste d'une suspension. En termes de droit, je ne suis pas sûr qu'il puisse se substituer. C'est ce que je disais, sinon il se mange un procès, hein, les gars. Il se mange un procès derrière, et les procès américains, tu peux perdre beaucoup d'argent. Peut-on imaginer un match champion NBA versus Euroleague? Genre un super trophée des champions. Je sais pas s'il le ferait, ça. Je sais pas s'il le ferait, ça impliquerait de faire bouger. De mettre un match hors calendrier pour le champion de l'année précédente de chaque. C'est pas évident. Bon, moi j'aimerais bien en 2 manches, c'est cool. Une manche en Europe, une manche aux States. Je pense qu'il n'y aurait pas de suspense par contre. Hein. Autant la meilleure équipe d'Euroleague peut peut-être taper des équipes de bas de tableau NBA, autant quand même je pense qu'il y a encore un. Ça dépend des règles avec lesquelles tu joues, règles FIBA, règles NBA. Mais je suis pas contre, je trouvais ça marrant. Pas facile à caler dans un calendrier, mais. Tu pourrais lui demander de remettre les coachs avec costume plutôt qu'en survêtement de prof de PS. Ouais, le code vestimentaire a changé. Ce week-end, c'est le début des playoffs NFL, ça va être trop bien. Ouais. Je vais pouvoir commencer à suivre la saison NFL, vu que je suis un fan complètement casual et que je m'intéresse à la NFL qu'à partir des playoffs. Le vainqueur de la NBA Cup contre le champion en ouverture de la saison. Ah ouais, donc toi, le vrai trophée des champions, Joe Cole, tu veux? Trophée des champions du foot, celui qu'ils essayent de faire jouer en Thaïlande et un peu partout, ou en Chine chaque année. Ouais, ça me botte moins, mais ça donnerait peut-être de l'importance à la NBA Cup. Mais quel intérêt tu fais, quel enjeu tu fais sur un match comme ça, sur un trophée des champions? Financier, c'est compliqué. Le match de prestige, ils s'en foutent, les Américains. Ils ont déjà 82 matchs, ils ont les playoffs. Là, on leur rajoute un in-season tournament, je suis pas sûr que. Quand LeBron va se présenter au présidentiel contre Cuban dans 8 ans, on va changer d'avis sur le rôle politique de l'NBA. Je vois vraiment pas LeBron se présenter. Non, il sera très puissant, mais il va pas se présenter. Cuban, par contre, oui. Je pense vraiment que Cuban va se présenter un jour. Et peut-être bientôt. Vous avez vu que l'Euroleague pensait à mettre en place le système de trade. J'ai vu ça. J'ai pas lu l'article, mais j'ai vu ça. C'est pas. Enfin, non. Enfin, non. T'imagines, tu joues à. Tu joues à l'Asvel et puis t'es tradé, t'emmènes femme et enfant à, je sais pas, à Belgrade. C'est quand même. Bon, les États-Unis en termes de distance, en fait, c'est quasi pareil, mais t'es dans le même pays, t'as pas le même déracinement. C'est pas possible quand même, je pense. Il faudrait que je voie de quoi il parle exactement, de quoi on parle. Après ça, ils avaient réussi à organiser 2 matchs Mets Ignite. Ouais, mais c'est pas de la NBA, c'était un showcase. C'était hors saison ou c'était où leur saison elle avait déjà commencé en G-League? Ouais, je sais plus. Les Mets, c'était en cours de saison, ouais. Mais. Non, mais la NBA, c'est pas les mêmes enjeux. Ils ont. Là, il y avait un beau billet à prendre, je pense, pour les Mets. Il y avait des enjeux cool pour une équipe comme ça, mais pour un fan NBA. T'es fan de quelle équipe NFL en playoff du coup? Alors, vu que je suis un. Je suis un footix, un foot US, je m'attache à une équipe par-ci par-là chaque année et après je les suis jusqu'au bout. Après, comme ça, en pseudo New Yorker, j'aimerais bien voir les équipes de New York performer, mais bon, je crois pas trop. Donc non, cette année, je sais pas encore, j'ai pas checké qui étaient les équipes les plus sympas à suivre. Le champion NBA contre le vainqueur du Super Bowl. Voilà, c'est ça qu'on veut voir, un truc interdisciplinaire, voilà. Salut Miguel Jordanez. Je suis d'accord, mais est-ce que l'NBA ne peut pas mettre un peu de pression sur les franchises pour sortir les joueurs des rosters? Je sais que ça paraît lunaire, mais il est trop facile de pointer, de traiter de salauds des mecs pour ensuite continuer d'en faire des éléments importants.
L'NBA, il y a un board, hein, il y a un board avec tous les proprios, quand ils ont beaucoup de pouvoir quand même. Hein. C'est pas simple. Il y a le syndicat des joueurs qui fait un contrepoids, la NBA elle-même dans ses bureaux, c'est des négociations, vous imaginez pas quoi. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a les négociations pour le CBA, c'est un bazar et ça se fait pas en, ça se fait presque tout au long de la saison. Non, tu leur dis pas, c'est dur. Déjà pour bouter un propriétaire hors d'une franchise, vous avez vu le bazar. Il faut vraiment qu'il y ait des éléments ultra accablants comme Sterling. Sinon, tu les fais pas bouger, les mecs. Hein. Sinon, il y aurait plus d'un proprio qui aurait bougé déjà. Ils ont vraiment pas tous le cul propre. Hein. À Orlando, à un moment, la famille De Vos, c'était pas fou quand même, par exemple. Mais bon. Salut, Patou. Quelle heure est-il? Est-ce que je. Minuit 20, bon, on va rester encore un petit peu ensemble. Si vous avez envie de parler de certains sujets, peut-être sinon des matchs de la nuit. Alors. No pesto, je change de sujet, mais jusqu'où peut aller El Famosa internationalisation de la NBA? Est-ce qu'on peut imaginer un monde pas si lointain où les Américains ne formeront plus qu'une grosse minorité dans la ligue? Et quel avenir pour la NCAA dans ces circonstances? J'ai l'impression que chaque année, la QV de draft est plus cosmopolite que la précédente. Ouais, mais ça reste les Américains. Ils seront jamais minoritaires dans leur propre ligue. Ou alors, on sera parti sur une ligue annexe où il y aura une division hors de la NBA, je sais pas, mais. Non, l'internet, ça va continuer. Peut-être qu'à un moment, on arrivera à du 50-50, je sais pas. Mais ils seront jamais inférieurs. À un moment, ils feront une loi pour limiter. Ils se feront je sais pas, un contre-arrêt Bosman, je sais pas. Condoléances pour la saison de Memphis, Shai. Ouais, mais alors, je vous rappelle que je ne suis pas un fan historique des Memphis Grizzlies, mais je me suis attaché à cette équipe-là il y a quelques années déjà. Et donc, j'essaye chaque année de les pousser un peu, mais là, bon, non, évidemment. Alors, condoléances, peut-être pas condoléances non plus. J'aurais aimé qu'ils puissent remonter, mais là, ils vont prendre rendez-vous pour l'année prochaine. Comme je disais tout à l'heure, ils vont récupérer un bon pic. Ils vont peut-être faire un trade avec, à moins qu'ils aient ciblé un joueur dont ils estiment qu'il peut être titulaire tout de suite. Je pense pas que ce sera le cas. Et voilà, ça va aller l'année prochaine. Reculer pour mieux sauter, voilà, j'aime bien ta formule, voilà. Memphis, le braqueur, Memphis, ils vont tanker, hein. Ils vont tanker, ils sont trop loin déjà du play-in. Avec Jamorant, tu te dis, ok, là on est obligé de jouer le coup à fond, là. Je vais te dire, ça m'étonnerait même pas qu'au premier petit bobo de Bane ou Jaren Jackson, ils les mettent à l'infirmerie jusqu'à la fin de la saison. Hein. Discrètement, mais je pense que là, ils vont tanker gentiment, discrètement. Peut-être ils vont gagner des matchs, peut-être quand même, mais j'y crois pas trop. Y a-t-il un moyen de vous croiser au match de Paris? Bah, t'y vas pas tout, du coup, tu seras au match? Parce qu'avec Antoine, demain, on sera aux entraînements. Et après, le jour du match, à partir de 17h, on sera dans la salle. Mais on sera en zone média, enfin, autour du terrain avant que le match commence. Et bah, je sais pas, selon l'heure à laquelle tu es en dehors, on peut se saluer, il n'y a aucun souci. Selon l'heure à laquelle tu arrives, pas de problème, tu nous dis. On peut se voir, je pense. C'est une ligue privée, Simon, ouais, c'est ça. Exactement, c'est quand même un détail important, c'est un business au vrai sens du terme. Tout ne se négocie pas comme ça. Quel est le joueur le plus proche de Philippe Poutou politiquement? Ah, c'est vrai qu'on avait parlé de Philippe Poutou. On n'avait pas dit Jokic, côté altruiste qui veut faire briller les autres. Non, il n'y a personne en vrai politiquement. Aux États-Unis, Poutou, c'est un. Pour eux, c'est un bolchevique, c'est la Russie et c'est le diable. Sur l'échiquier, il n'y a même pas un parti socialiste, même sous son ancienne version, ça n'existe pas aux États-Unis. Je vous avais déjà dit, mon coloc à New York, un de mes colocs, qui était pourtant plutôt démocrate, tout ça, quand je lui ai dit que c'était un président du PS, quand c'était Hollande qui était à l'Élysée, il était genre hyper inquiet, socialiste et tout, mais alors, c'est quoi, c'est hyper austère, c'est comme en Russie, pour lui, c'était fou, quoi. Donc, je vous dis. Pour eux, c'est surréaliste. Un poutou, il n'existe pas aux États-Unis. Et Maestro, j'allais citer Bernie Sanders, qui déjà pour eux, c'est un bolchevique. Alors, ça parle politique, let's go. Non, on va pas trop se mouiller. C'était un exemple. Parce qu'un jour, on était parti sur les. On avait fait des comparaisons entre les joueurs et certains politiciens, mais bon. Au rugby, on a bien le système de GIF, jeunes issus de la formation française, ouais, qui oblige les clubs de top 14 et de Pro D2 à former. Et aligner une majorité de joueurs français, ça semble fou d'en parler pour l'NBA, mais ça se fait ailleurs. Peut-être qu'on y viendra un jour s'il y a vraiment beaucoup trop d'étrangers à leur goût, mais
Après, les franchises d'elles-mêmes, elles peuvent juste ne pas prendre moins d'étrangers, mais s'ils sont de plus en plus forts, ça va être compliqué. Et au rugby en France, il y a un vivier énorme aussi. Comme l'NBA pouvait en avoir un moment avec la NCAA. Là, globalement, il y a de moins en moins de gros talents américains qui sortent, quand même, je trouve. Des talents, comme on dit, générationnels. Les gros talents, maintenant, ils sont un peu. Alors, j'ai raté des messages. Jokic, c'est plutôt la salle. Ouais, un mec proche de son terroir. Pourquoi pas. Bon, la salle, il a des petites casseroles aussi, hein, mais bon, divertissant. Gabriel Attal est-il déjà dans son prime? Oui, c'est vrai, notre nouveau Premier ministre. Poutou est fiché S aux USA. Bah ouais, franchement, ouais. Hein. Je pense que ils doivent le prendre pour un fou. Ils aiment pas trop les syndicats déjà aux États-Unis, donc Poutou, je pense qu'il les fait flipper. Salut les Vadets, c'est vrai qu'on t'avait pas vu encore. Merci de passer une tête. Et bon courage pour le taf. Minuit 25, attends, c'est pas évident. Courage à toi, à tous ceux qui travaillent, et même à ceux qui travaillent pas, évidemment. Borne avait un bon pourcentage de 49,3. Je l'ai vu passer cette blague aujourd'hui. Ça m'a bien fait rire. Y a un quart d'étrangers en ce moment, je crois. Si ça continue à grimper, la question va devoir se poser. Peut-être. C'est effectivement pour l'avenir. Tout à l'heure, on parlait des questions à poser à Adam Silver sur l'avenir. On n'a peut-être même pas besoin d'aller jusqu'à 30 ans. Hein. Peut-être que dans 10 ans, on peut lui dire comment il voit la suite de l'internationalisation. Une franchise à l'étranger. Moi, je suis pas trop pour. Ça serait un peu compliqué en termes de logistique, mais. On peut imaginer des choses, ouais, s'il y a de plus en plus d'étrangers, à un moment ils vont se resserrer, ça va dépendre aussi un peu de la température dans le pays, est-ce qu'ils sont repartis sur du protectionnisme, enfin sur de l'isolationnisme, et qu'ils veulent de moins en moins d'étrangers, je sais pas, pour l'instant c'est bien, on est quand même sur une vague plutôt où on fait la place aux talents internationaux, et bah il y a des Américains que ça rend fou, hein, des journalistes, ils veulent absolument qu'il y ait des talents américains qui reviennent. C'est pour ça que je vous parlais de Cooper Flagg tout à l'heure. Je pense vraiment qu'il va être poussé et hypé. Et je pense que c'est mérité vu ce que j'ai vu. Mais ils cherchent leur nouvelle star. Désolé, question basket. Il va atterrir où Pascal Siakam? Bah, si à chaque fois qu'il y a un intérêt sur lui, il demande à son agent de dire aux franchises qu'il n'est pas intéressé par une prolongation, il va aller nulle part. Et Ujiri va reperdre un joueur en fin de contrat. Mais. Sinon, il peut aller dans. Moi, je leur dis, si vous nous écoutez dans les CQFR, les podcasts, je pense qu'il améliorera n'importe quelle équipe à laquelle il manque un élément comme ça. Ça peut être les Warriors, les Kings, les Mavs, ce qui vous voulez. Après, il faut juste la contrepartie. Donc, j'ai pas trop d'idées. Indiana, j'aimerais bien aussi, peut-être. Atlanta, un peu moins, parce que là, je trouve qu'ils patinent et ils me déçoivent beaucoup. Ouais, ces équipes-là, quoi. Mais là, pour l'instant, il est presque parti pour rester à Toronto. Hein. Ça regarde quoi comme match cette nuit, nous demande Alexis. Ça regarde quoi? Y a quoi? Kings Pistons, ça regarde pas. Orlando Minnesota, ça regarde. À 1h du mat, dans 30 minutes, vous vous doutez bien que je vais regarder celui-là. Knicks Blazers, c'est pas fou. Mavs Grizzlies, bah maintenant, c'est encore moins fou. Lakers Raptors, 4h30, c'est pas mal. C'est pas mal, les Raptors qui carburent bien, et les Lakers qui essaient de sortir un peu la tête de l'eau. Je pense que je regarde ça. Ça peut se regarder aussi. J'adore, on dirait les propals de Simon dans l'addition de Trash Talk. Très bon programme l'addition, évidemment. C'est mon idole Simon, mais c'est notre idole à tous. Cooper Flagg, ce nom quand même. Ouais, bah, en plus, il a un nom un peu stylé. Enfin, stylé. Il a un nom qui est pas du tout anodin, quoi. Il s'appelle pas Jalen quelque chose. Parce que tous les un jeune Américain sur deux, limite, en tout cas qui joue au basket, s'appelle Jalen maintenant. En parlant de talent générationnel, Zion, c'est foutu pour vous? Non. Non, c'est pas foutu. À partir du moment où quand il joue, il est bon, il est pas là où on pensait qu'il en serait, où on espérait qu'il en soit. Mais il est pas foutu, non. Il faut qu'il change l'infrastructure, surtout aux USA. Ils apprennent le basket comme un sport individuel. Complètement d'accord. Ça apprend les skills, mais ça n'apprend pas la compréhension du jeu. Quand tu vas jouer en community center, tu pètes un câble. Les seuls avec qui tu kiffes jouer, c'est les Européens et Américains du Sud. J'ai rien de plus à dire, c'est totalement vrai. Leur formation basée sur le AAU, où on cherche à faire briller l'individu, c'est forcément collectivement. Bah après, tu te retrouves avec des joueurs qui sont faits dans un certain moule, et c'est pas le moule le plus collectif qui soit. Les Lakers ont fait un gros match contre les Clippers, que je ne vois pas aller loin en playoff par manque de largeur de banc.
Ouais, les Lakers, par contre, ouais. Je sais pas si. Bon, Darvinham, a priori, sa place est plus safe que ce qu'on disait ces derniers jours, mais pareil, on attend de voir. Hein. LeBron et Davis qui jouent tous les matchs et qui sont bons, et les Lakers qui en perdent beaucoup, c'est pas très rassurant. D'ailleurs, tu mates un peu de contenu des autres chaînes basket. Alors, ça dépend des périodes. Quand j'ai du temps, je regarde ouais, franchement, d'un peu de tout. Bah ouais, Trash Talk, First Team. J'écoute un peu tout ce qui se fait, honnêtement. Parfois sur Twitch aussi, certains programmes. Après, moi, pour pas vous mentir, je suis plus. Alors, même si je regarde, hein, ce que je vous ai dit là, selon les périodes de l'année ou quand je vois un sujet qui m'intéresse, quand on a le temps, je suis plus. Par contre, j'écoute beaucoup de podcasts américains. J'en écoute presque tous les jours. Dès que je fais un trajet à pied ou que j'ai un peu de transport en commun, j'écoute du podcast US. Donc pas en vidéo, du coup, mais. J'écoute beaucoup Zach Lowe, Bill Simmons, le Hoops Collective avec Brian Windhorst, les podcasts de JJ Redick. Enfin voilà, je suis pas très patriote, mais évidemment quand je vois passer sur YouTube, je regarde ça. Enfin là on parlait d'émissions. Après sur les sites, j'ai moins le temps d'aller voir le contenu écrit. Le contenu écrit des autres sites, mais ça m'arrive, je vois passer un truc. Je vais pas me dire, oula, c'est un concurrent, je vais pas cliquer dessus, hein, vous inquiétez pas, on n'est pas comme ça non plus. Hein. Basket USA, bah oui, si je vois un bon article, Iron Slice, si je vois un article avec un sujet qui m'intéresse de Basket USA, je clique dessus, je ne m'interdis rien. Les podcasts, c'est la vie, pas juste de basket d'ailleurs, je suis complètement d'accord, parce que évidemment, là, je vous parle de basket, mais j'en écoute plein sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir. En parlant d'Atlanta, les problèmes persistants que semble connaître le groupe sous la direction de Snyder, pourtant un excellent coach, est-ce que ça ne relève pas la cote sur le niveau réel de JB Bickerstaff? Alors, oui, je trouve que Bickerstaff a été critiqué de manière un peu trop sévère. Alors oui, ils se sont plantés en playoff l'année dernière, mais c'est un groupe qui était assez jeune, qui se découvrait aussi avec Mitchell qui arrivait. Je trouvais les critiques un peu dures. Je trouvais les critiques un peu dures. Les difficultés d'Atlanta, ouais, par contre, je suis déçu, pas spécialement par Quinn Snyder, mais par Atlanta tout court. Quand même, si vous vous rappelez des pronos de début de saison, je les mettais top 5 à l'Est, on n'y est pas. Peut-être qu'ils vont bouger, ils avaient essayé de garder un effectif, à part en tradant John Collins, leur effectif n'avait pas tant bougé que ça. Ça a peut-être bougé, ouais. Un Willow version basket qui analyserait le gros match du week-end ou de la nuit en images, qu'est-ce que ce serait incroyable. Oui, j'ai déjà regardé Willow sur le foot, du coup. C'est que je crois que c'est un fan de l'OL, non? Je sais plus. Mais il y a de tout, hein. Il y a des podcasts et des émissions qui sont pas très connues. Peut-être que ça existe déjà, hein, mais qu'on ne connaît pas. Les podcasts US te permettent de choper des détails et des éléments pour vos pods à vous. Oui, complètement. Alors, plus des trucs de confirmation, parce qu'ils regardent les matchs comme nous. Mais bon, je vais pas. C'est évident de dire que Zach Lowe ou Bill Simmons, enfin, ils connaissent mieux le basket que moi. Et parfois, c'est sûr qu'ils notent des trucs qui me poussent à aller après à regarder, à me dire, tiens, ouais, c'est vrai, ils ont raison, j'avais pas remarqué ça. Ou à me dire, bah, je suis content qu'ils parlent de ça parce que nous, on en a parlé avant. Mais puis bon, je trouve ça divertissant et intéressant. Ils sont très éloquents et parfois il y a de la complicité entre certains, c'est cool. Moi, je trouve ça. Mais oui, c'est évidemment une source d'inspiration. Et ça arrive aussi sur des podcasts français ou des émissions, des chaînes françaises. Parfois, on s'inspire de ce qu'on a entendu, ou c'est plus des confirmations, je veux dire, que des inspirations, mais oui, complètement. Il y a une chance de voir Victor versus Bilal le 20, mais ce sera le lendemain des Hornets. Tu penses qu'il va insister pour jouer celui-là à la place de celui de la veille? Ah, je sais pas. Non, je pense pas qu'il va insister. Pff, non. S'il est mis au repos, c'est sur le deuxième match du back-to-back en général, Valoroco, je pense. Je suis pas sûr que ça lui importe beaucoup. Bickerstaff, c'est pas Cleveland. Si, je parlais de Cleveland, mais en fait, ils faisaient une comparaison avec le fait qu'on avait, je pense, mis très haut Snyder et qu'on avait rabaissé Bickerstaff. Et moi, je disais que je trouvais que si, que Bickerstaff avait été injustement critiqué, était peut-être meilleur que ce que les gens disaient. Je sais que certains fans des Cavs étaient durs et demandaient son renvoi. Donc, c'était surtout ça. Je comprends pas comment on peut être déçu d'une équipe portée par Triangle. Ah, c'est quand même un bon joueur, Triangle. Hein. Mais oui, il avait des problèmes de leadership l'année dernière, donc est-ce que c'est si étonnant que ça? Est-ce qu'il n'est pas voué à être un numéro 2? Ça, c'est une autre question. JB s'est fait virer de Atlanta après avoir mené en finale de conf. Ou la saison d'après. Bickerstaff à Atlanta? Attends, j'ai raté un épisode là. Bickerstaff, il a été amené. C'est très possible, hein. Je suis sur les coachs, je suis à la ramasse. Non, c'est non, voilà, il est à Memphis, voilà.
Memphis entre 2017 et 2019 et après les Cavs. Thinking Basketball, c'est ouf pour ceux qui connaissent pas la série de cet été sur les GOAT offensifs magiques. Ah bah ça me dit rien, tu vois, donc je vais la regarder, je note. Thinking Basketball. C'est français ou c'est anglophone? Macmillan, ouais, voilà, c'est Nate Macmillan, si tu sais. T'as raison. Macmillan, il y avait un peu de limite, mais puis en plus, il était en froid avec Trae Young, clairement, donc ça lui a coûté sa place. Thinking Basketball, super podcast. Ouais, et Secret Base aussi. Ah ouais, vous connaissez plein de trucs, les gars. Bah, US, moi, ça me dérange pas, c'est très bien. Hein. Français US, n'hésitez pas à balancer vos noms de des émissions ou des podcasts, des sites que vous écoutez. N'hésitez pas hein, à partager avec tout le monde. Même moi, ça m'intéresse. Après, j'ai mes petits préférés, forcément, mais. Thinking Basketball, No Ceiling, Thinking Basketball. Attends, mais attendez. Et c'est donc c'est quoi? C'est américain? Je regarde en direct, désolé. Thinking Basketball. Peut-être que je connais, hein. Ah non, je connais pas du tout. Ah oui, 556 000 abonnés, ça va, c'est. Et à chaque fois, donc ils ont une question et ok, ils postent plusieurs fois par semaine. The Dribbling Cheat Code Taking Over the NBA. La défense que les champions ne veulent pas jouer, ne veulent pas affronter. Ok, bah je note. Merci les gars, ça a l'air intéressant. Connais pas Secret Base, moi non plus, je note. Thinking, Benjamin connaît, je pense, je lui demanderai. Ouais. Jimmy High Roller, c'est un peu plus storytelling axé sur la data, mais c'est pas mal, ok. Je note tout, les gars, je note tout, hein, vous inquiétez pas. Ben Taylor, je crois, beaucoup d'analyses tactiques. Pour ceux qui aiment le foot, j'adore Talk My Football. Alors en foot, j'écoute. Alors ça m'arrive d'écouter le Club des 5, on en avait parlé ensemble la dernière fois. Alors, en plus, il y a Elton que je connais un peu. On joue un peu ensemble de temps en temps. Et on était en stage en même temps, je crois, dans une rédaction à l'époque. Moi, j'écoute les. C'est pareil, j'écoute encore un truc anglophone, mais. The Rest is Football avec Gary Lineker, Alan Shearer, Micah Richards, c'est un régal, j'écoute toutes les semaines. Ça me permet de rattraper parfois mon retard sur la première ligue et c'est hyper divertissant et pointu à la fois sans le côté un peu bouffe enfin, ou café du commerce qu'il y a sur certaines chaînes de radio niveau foot. Talk My Football, ok, je note aussi. Salut Majouk, bonne année à tous. T'as raison, je vous ai pas. Ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vous re-souhaite une bonne année. Évidemment, au nom de toute l'équipe de Rivers et de Basket Session. D'ailleurs, on peut avoir une pensée pour Beckenbauer. Ouais. Même Benjamin, il me disait tout à l'heure, qui s'en fout royalement du foot, il a l'impression que ça lui a fait quelque chose parce qu'il a vu tous les. Du coup, il a vu un peu l'histoire, il a vu un peu le profil de joueur et l'émotion autour. Moi, ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit, quand j'étais petit, il y avait toujours les mythes dont mon père me parlait, dont j'entendais parler à la télé, mais que du coup, que j'avais jamais vu jouer, c'est-à-dire Pelé, Cruyff, Maradona, Platini, en gros. Maradona, j'ai vu la fin. Hein. J'ai vu la fin. J'ai commencé la Coupe du Monde 94. Il se fait virer parce que contrôle positif à la coke, je crois, en pleine compète. Donc c'est le seul truc que j'ai vu de Maradona en live. Et ça, plus donc Cruyff et tout, et ils sont tous décédés, quoi. Donc ça fout un vrai coup de vieux. Il reste Platini dans les un peu légendes comme ça que j'ai pas vu jouer, que j'ai pas vu jouer en direct. Michael McKelvey, analyse poussée avec de la data sur le basket, très intéressant. Ah, mais vous avez des bonnes listes, hein, faites partager les gars, c'est super. Michael McKelvey, ok. De toute façon, ça regorge, je pense que quand on fouille bien, et puis il doit y avoir des chaînes et des podcasts français et américains qui ont peut-être 200 vues à chaque fois, mais qui sont hyper intéressants, qui sont juste pas médiatisés, enfin, qui n'ont juste pas encore de monde qui les suit. Moi, je vais citer la chaîne YouTube Cinéma La Science de Marty, trop peu connue alors que c'est le meilleur monteur du game, des vidéos essais d'une maîtrise artistique affolante. Et ben, alors, c'est pas du basket, mais ça m'intéresse aussi. Voilà, je note. Copier-coller La Science de Marty. En podcast FR, il y a le Basket Lab, c'est très bien, mais il a une trop grosse production et ça dure 2 heures à chaque fois. Je sais, Kikiche, j'y ai participé sur un des épisodes sur le top 100 qu'il avait fait. Effectivement, c'est très long, c'est peut-être ce qui fait que c'est moins digeste pour les gens qui. C'est moins digeste pour les gens qui préfèrent les formats plus courts d'une demi-heure ou 3 quarts d'heure, mais ça a son public aussi. Mais je comprends l'intérêt. Moi, je suis pas freiné par les podcasts longs. Hein. Shai, c'est normal, toujours pas reçu une saison en enfer. Comment de passer depuis le 29 novembre? Ah non, c'est pas normal.
C'est pas normal du tout. Il faut envoyer un mail. Dès qu'il y a un souci avec les trucs, il faut envoyer un mail à contact@reverse.gmail.com. Attends, je te dis pas de bêtises. Sinon, envoie-moi par mail les détails, soit les détails de ta commande, soit ton adresse. Si tu l'as pas reçu, on va te le renvoyer. Mais je vais vous mettre mon adresse mail dans le truc. Hein, bon. À utiliser qu'en cas de besoin. Si vous avez pas reçu vos MOOC ou vos bouquins. Hop. Voilà. Envoie ton adresse et tout, enfin, ou ton numéro de commande si tu avais un numéro de commande, et je vais essayer de gérer ça. Pour les nécrophiles, il y a la chaîne Villebrequin. C'est quoi ça? N'importe quel podcast tenu par des humoristes, c'est toujours des gens habitués à parler avec humour, esprit, souvent avec un décalage un peu original. Bah ouais, j'en écoute une tonne, maestro. Je sais pas desquels tu parles, mais surtout, pareil, je vais pas vous surprendre, je suis assez culture américaine, j'en écoute beaucoup des Américains. Mais en France aussi, il y a des bons trucs, hein. Il y a des bons trucs, effectivement, tenus, entre guillemets, par des humoristes. Il y a plein de programmes sympas. Je suis coach de tennis et préparateur mental à l'adolescence. J'ai baigné dans le basket de la Dream Team au JO de Barcelone. Ah ouais, coach de tennis et préparateur mental, cool. Et ouais, ado à l'époque de la Dream Team, ça devait être mortel quand même. Moi, j'avais 5 ans. Hein. J'avais 5 ans, donc c'est pareil, je l'ai connu, j'ai connu les effets de la Dream Team et c'était le mythe. Mais j'ai pas... Donne pas ton mail sur Twitch comme ça. Pff, franchement, là, ça va, on est en famille, là. Si vous avez une question, vous pouvez me l'envoyer, il n'y a pas de problème. Je ne crains pas les mails indésirables, ne vous inquiétez pas. Undrafted, ouais, je connais The Free Agent aussi. Benjamin écrit un peu là-bas aussi, chez The Free Agent. Le Dreamcast Show, je ne connais pas par contre. Et évidemment, il faut soutenir les copains belges de The Belgian Basket qui font du super boulot. Évidemment, force à la Belgique, magnifique pays, magnifique personne. Je ne le répéterai jamais assez. Les gens qui doutent de Fanny Ruet un bon moment, avec les gars de Bref, Bloqué, Serge Lemiteau, 4 comiques dans le vent, mais à contresens, que du lourd. Ah, les gens qui doutent, c'est le nom du podcast du coup. Ouais, Fanny Ruet, elle est marrante, c'est une belle justement. Un bon moment avec les gars de Bref. Oui, bon moment, c'est avec Kian Kojandi, ouais, et Navo, je crois. Je sais plus. Ouais, Serge Lemiteau, bon, ça, il le fait plus maintenant, mais c'était drôle. Et Bloqué, c'était le truc avec Orelsan et Grinch, je crois. On n'a pas cité, mais il y a Envergure, évidemment. Envergure, bah, c'est les plus pointus. Ils font du scouting, ils font des... C'est-à-dire, s'il y a un joueur méconnu sur lequel vous voulez avoir des billes, Envergure, ils font un travail énorme. Si vous aimez la science et l'histoire, je vous recommande la chaîne YouTube du Collège de France. Très bien. Les Belges sont toujours drôles. Alors, c'est un peu réducteur, Alexis. Il y a souvent, pour avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis belges, ils aiment pas quand on dit nos amis belges, quand on dit des trucs un peu condescendants, genre ils sont rigolos, tu vois. Mais après, t'es peut-être belge, Alexis, je te dis ça, mais. en tout cas, ouais, c'est un peuple que j'adore. The Deep Three. Ok, c'est noté aussi. Mais je vais me faire un petit... quand j'aurai un peu de temps, je vais me faire un petit séance de rattrapage avec tout ce que vous venez de me dire. Sakaru pour les jeux vidéo. Écoute, ça m'intéresse aussi. À quand un bon quiz basket chez Basket Session en live vidéo? Figurez-vous qu'on travaille dessus en ce moment. On avait fait un pilote. On travaille dessus en ce moment, vous inquiétez pas. Le bowler quiz avec Antoine à la présentation. Et on vous sollicitera, vous inquiétez pas. On vous préviendra dès que ce sera prêt. On veut faire vraiment ça bien et pas trop à l'arrache, on veut que ce soit cool et après que ce soit un rendez-vous régulier, donc vous inquiétez pas, c'est dans les tuyaux. Ah bon, bah t'es belge, tu vois. Tous les belges sont drôles, voilà. Bah, t'as le droit de le dire, hein. Si t'es belge, c'est ton peuple, t'as le droit de le définir comme tu veux. The Great Review pour du storytelling, jeu vidéo également. Ouais. On attend toujours le premier big board de la draft 2024 d'envergure d'ailleurs. Ouais, bah ils ont peut-être été un peu moins. Après, je suis pas allé regarder, mais ils étaient peut-être un tout petit peu plus prolifiques avant, mais ils font quand même toujours du. Je sais qu'ils avaient Alan qui est parti, qui bossait beaucoup, beaucoup pour eux, qui faisait beaucoup de travail et qui est parti, qui est dans le coaching staff de la fac de Santa Clara, il doit s'éclater d'ailleurs parce que c'est passionnant. Et d'ailleurs, il avait bossé avec Podziemski avant qu'il soit drafté par les Warriors. Il en avait dit le plus grand bien. Les Tunisiens sont les plus drôles, j'ai le droit de le dire, je le suis. Ah, moi, je suis un quart tunisien, alors je peux le dire aussi si tu veux. Oui, Alan est parti, c'est vrai.
Ouais, bah, mais bon, il a bien, enfin, je veux dire, il a bien raison, hein. C'est quand même une expérience incroyable de pouvoir. Tu coaches un staff dans un staff NCAA, tu bosses avec des gars qui après vont peut-être jouer en NBA, c'est une expérience passionnante. Je sais pas s'il l'a raconté un peu quelque part, très, très probablement. Mais c'est génial, enfin, c'est le rêve quand t'es à fond dedans. Il est avec Adama Ball, effectivement, ouais. Un prospect. Bon podcast d'Alan sur le Basket Lab où il raconte son taf là-bas. Bah, tu vois, j'ai loupé cet épisode-là, donc ça m'intéresse. J'aimerais bien l'écouter à ce sujet. Très bien, bah merci les gars pour toutes ces très bonnes suggestions. Moi, je vous ai donné les miennes en basket, j'en écoute pas 50 non plus, hein. Comme je vous le disais, beaucoup de trucs américains. À part Reddick, j'écoute pas beaucoup de podcasts de joueurs ou d'anciens joueurs, je crois. Je sais qu'ils ont tous un peu leur podcast maintenant. Celui de Paul George est pas mal. Enfin, je vois les extraits que je vois passer sont bien. J'écoutais pas mal Knuckleheads à un moment avec Quentin Richardson et Darius Miles. Je vois moins passer d'épisodes. Ils en font peut-être un peu moins. Bon, All the Smoke avec Stephen Jackson et Matt Barnes. Bon, pareil, les extraits sont cool. Mais je me fais rarement les émissions en entier. J'ai rarement des émissions en entier. Comme pareil pour Kevin Garnett et Paul Pierce. J'aime bien les voir sur des extraits de 5-10 minutes. Je sais pas si sur tout un podcast, c'est quand même très décousu. Style particulier, mais quali de ouf, même sur les sujets qui ne m'intéressent pas, ok. Mater la science de Marty, t'inquiète pas, c'est noté, Mister One Two. Celui de PG avec Steve Ballmer est vraiment cool pour le coup. J'ai vu des extraits, j'ai pas tout vu. J'ai pas vu tout l'épisode. C'est ça le problème aussi, c'est que. Les réseaux poussent les extraits et parfois après on n'a pas forcément on va pas forcément voir l'épisode en entier. All the Smoke et KG, t'en as vu un, tu les as tous vus, les mecs sont en boucle. C'est un peu ce que je sous-entendais. Alors c'est intéressant quand ils racontent des anecdotes de l'époque, mais c'est trop décousu à mon goût. Voilà. Surtout pour les Welcome to the NBA Moments. Ouais, c'est vrai que c'est marrant, c'est intéressant. Bah, dans les jours actuels, j'aime bien quand Tyrese Haliburton va chez JJ Redick. En général, ils font un mailbag, Haliburton répond aux questions des gens que les gens lui posent. Et c'est assez intéressant. Ouais, visiblement, la science de Marty a du succès. Est-ce que c'est une référence à Retour vers le futur? Je pense. Ou alors peut-être que le gars qui présente s'appelle juste Marty. Et je me trompe complètement. Mais en tout cas, voilà. Bon, il est minuit 1h moins 10, il y a les matchs qui vont commencer dans 10 minutes, notamment ce très joli Orlando-Minnesota. Je pense que ça va être un match cool à suivre, même si mon Magic n'a, je crois, pas toujours, n'a pas encore récupéré Franz Wagner, mais Paolo Banchero fait une super saison, il porte l'équipe, encore plus quand il n'y a pas Wagner. Donc si vous regardez pas beaucoup Orlando, sur le papier, j'en conviens, Orlando-Minnesota, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant, mais allez regarder, c'est des équipes bien classées qui jouent un basket intéressant. Après, bon, si vos équipes jouent, vous pouvez regarder Knicks Blazers ou Mavs Grizzlies, mais bon. Après, le Lakers Raptors de 4h30, c'est pas mal. À quand un match à suivre ensemble? On le fera peut-être pendant les playoffs, un de ces quatre, mais bon, il y en a déjà qui commentent les matchs pendant les playoffs, il y a d'autres chaînes, Trash Talk notamment, je pense que First Team aussi doit le faire. C'est bon, les lives de matchs en direct, c'est pas simple. Drico Sonic, bonjour, j'ai grandi sous les posters de Larry Legend, Magic Johnson, Manute et Bol, je lisais Maxi Basket, 5 majeurs mondial, basket, j'ai vu la télé en noir et blanc, des matchs NCAA avec Danny Manning, Steve Kerr et Rex Chapman. J'adore Rex Chapman. Toujours en noir et blanc, les matchs à la Moutette, vu en live le Lévrier des Mauges, Graylin Warner. J'étais au lycée avec Cathy Melin à Rennes. Je jouais avec elle dans la cour et participé en cadet au championnat UGSEL. Je suis vieux. Voilà, Drico Sonic, magnifique message. C'est ton premier message de la soirée, il est très beau. Ça sent bon les années 80 et 90. Magnifique. Late session, rechute, retour, reconstruction et recommandation podcast. Merci à Maestro, à chaque fois tu nous trouves des titres. J'ai inscrit votre nom sur le quiz NBA de Zach aussi. Ouais, j'ai vu les vannes, c'est sympa, merci. C'est très sympa. Bah, je pense pas qu'on est assez peu. On n'est pas assez connu pour Zach Nani, je pense. Hein. D'ailleurs, c'est pareil, lui, ça m'arrive de regarder certaines. Selon les invités, quand c'est des footeux, souvent je regarde, c'est sympa. Le Orlando de Caleb Houston, qui a fait un très bon match. Il
Ah, l'adresse. Ah oui, je vous ai pas dit. T'as raison, Kiki, je dois remettre l'adresse tout au long de la semaine. Vous pouvez nous envoyer vos questions et on y répond le samedi. On essaye vraiment de répondre à la majorité des questions, même si c'est pas sur la semaine en question. Chat, avant de partir, faut discuter de la vignette. Je sais même plus de quoi on a parlé. On a parlé de quoi? Je sais pas si c'est un truc qui mérite une vignette. Si t'as une idée, Kiki, n'hésite pas. Hein. Zach a liké aussi. Bah, très bien, c'est très sympathique de sa part. Je pense quand même que s'il veut faire un quiz basket et qu'il veut qu'il y ait des vues, il va plutôt demander à d'autres à d'autres gens de la communauté, même si on acceptera volontiers. Hein, mais s'il faut qu'il fasse du chiffre, ce sera quand même mieux de mettre des gens qui ont un peu plus de followers. Draconique, on est de la même génération. Mais oui, bah, on fera la moyenne d'âge des laters. Je pense qu'on est évidemment au-dessus de la trentaine, à mon avis. Une vignette d'Antoine dans un avion, excellent. Excellent. Je vais demander à Théo de faire ça. Un filtre photo jauni ou noir et blanc de vieux. Ça dépend, il invite combien de personnes à son quiz? Ah, peut-être, je sais pas, ça va peut-être 3 personnes, je pense qu'il va faire. Sinon, après, c'est moins fluide. Est-il encore possible en 2024 d'avoir des trades un peu fous incluant autre chose que des joueurs, comme les histoires de trades de coach-manager ou la fameuse histoire du trade de Cal Korver contre la photocopieuse? Franchement, non, je pense pas. C'est peut-être plus réglementé, il y a moins de. Et puis tout se sait maintenant. Tout se sait, donc si tu fais une dinguerie ou tu trades une tondeuse à gazon, si tu mets ça dans un package, non. Avec des coachs, je suis pas sûr que ça puisse encore se refaire. J'ai l'impression qu'on est plus sur du traditionnel. La mode, c'est de foutre des. On en riait pas mal avec Benjamin et Antoine pendant la dernière trade deadline. La mode, c'est les deuxièmes tours de draft, quoi. T'envoies 4 deuxièmes tours de draft et un joueur, et là, c'est banco. L'une des rares fois où je suis pas le plus vieux sur un chat Twitch. Ah, ici, on est bien entre personnes âgées, t'inquiète pas, hein, Valoroco. Hein. Une vignette, Antoine, y a-t-il un pilote dans l'avion à côté de Jabbar? Ça peut être du lourd. C'est une bonne idée. Mais si Théo est dispo demain matin pour faire ça, parce que moi, c'est évidemment au-delà de mes compétences. Tu vois. Pourtant, Bastien, il dit tout le temps qu'il met des clopes et un Mars. Aurait-il menti? Je ne sais pas de quoi tu parles, Lévadé. Mais j'ai raté une question. J'ai sans doute raté une phrase d'avant. Ah si, pour les trades, pardon. Oui, bah c'est oui, bah oui, non, mais c'est pour dire qu'ils mettent des pics des futurs de deuxième tour en 2029. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Je vais me coucher, bonne nuit à tous, bonne nuit Patou. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher, on va pas tarder non plus. Put my Daron in the package, c'est ça qu'il avait dit. Ouais. Ça avait buzzé ça. 32 ans, qui est plus jeune que Loulou? Est-ce qu'il y a des gens plus jeunes que Loulou dans le chat? 32 ans. Si t'es le plus jeune. Ah, 28 ans. 28 ans, Patou. Je vote pour la photocopieuse en vignette. Bah, on l'a évoqué qu'à la fin, ce serait pas très juste. 29 et 36. Angie, bah voilà, vous voyez qu'il y a des jeunes. 24, Alexis, notre Belge du soir avec Flo. 51, Drico, c'est beau. Juste le papier de l'imprimante, Miguel, pour le prochain trade. Bonne idée. Bon, en tout cas, les matchs du Nord vont commencer. Moi, je vais vous laisser, les gars, quand même, parce que et demain, je vais attendre Antoine à la sortie de l'avion avec un panneau Antoine Pimel. Non, c'est évidemment faux, mais il faut quand même que je sois levé assez tôt. Il y a des petits événements autour du Paris Game, mais il faut quand même être d'attaque relativement tôt dans la matinée. Donc on va se laisser là-dessus. Je vois que vous donnez tous vos âges. Oui, j'ai fait exprès pour l'ami belge, c'est bien. Je sais que les Belges détestent qu'on dise des amis belges parce que c'est extrêmement condescendant et qu'on est toujours extrêmement condescendant avec les Belges et la Belgique en général. Tu ne m'entendras jamais dire de volontairement ami belge. Prono sur le Magic Minnesota? C'est Orlando. Allez, victoire du Magic. Donc faut jouer l'inverse hein, si tu joues. Bonne nuit à tous, voilà. On va kiffer, l'évader, t'inquiète pas, on va faire ce qu'on peut, même si l'affiche n'est pas la plus emballante, on va passer un bon moment. Déjà, je vais revoir Antoine pour la première fois depuis 3 ans, déjà rien que ça, c'est cool. Et voilà, on va essayer de. Il y aura du contenu, hein, vous inquiétez pas. Sur le site, on vous mettra quelques petites interviews, notre ressenti sur le match, sur l'événement lui-même. Voilà, on fera tout ça. Mes amis français.
Merci à vous, merci à tous de m'avoir accompagné dans cette late session. On se retrouve dès demain matin pour un CQFR. On mettra le replay de la late jeudi après-midi comme on le fait à chaque fois. On se retrouve tous les matins pour le CQFR comme je vous le disais. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, normalement avec Antoine qui a promis de régaler avec des subs en pagaille. Donc ne prenez pas tout de suite votre abonnement, ne vous inquiétez pas. Antoine régale. N'empêche, t'as fait 2 heures, chat irrespect. Oui, bah, ouais. C'est grâce à vous, hein, sinon, parler tout seul, c'est compliqué. C'est parce que les laters sont des gens de qualité avec lesquels on peut discuter. Voilà. Merci à tous, bonne nuit, bon match. Et on se retrouve demain matin sur YouTube pour de nouvelles aventures. Bonne nuit.